J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette dernière émission. On est connecté, je sais, vous êtes triste. Dernière émission de cette année. Bien entendu, je gardais un petit peu, de suspense. Et bien entendu, mon cher Max, qui, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, je veux dire, on a reçu un nouvel invité aujourd'hui. Un invité mystère, notre ami Serpico de la rédaction. Vous l'avez peut-être jamais vu ou peut-être des petites apparitions en photo. Il travaille à la rédaction. On a le patron ici à côté. Mais ils ont pu le voir dans le vidéotest. De Killzone. De Killzone, ouais. Killzone. Disponible sur notre nouvelle chaîne YouTube, je sais pas si on peut en parler encore, donc. Si, si. Lance des bombes, Eclipsia Replay, vous pouvez aller vous abonner dès maintenant, il y a plein de trucs qui vont arriver dessus. Eclipsia Replay, et vous verrez Serpico sur un vidéotest de Killzone. Allez. Pèse énormément, là, c'était pour introduire Serpico dessus, donc on a Dash que vous connaissez à côté, toujours beau, toujours aussi musclé, bien entendu, il est obligé de se tenir à la table. Appuie pas trop, tu vas la péter. Je sais, je vais. Ils sont pris en cachemire. On a le rédac chef, notre ami Menro qui nous a rejoint aussi. Comment vas-tu mon cher Menro? Toujours la forme, la patate? Écoute, ça va bien, c'est la fin de l'année, mais on fait aller, tout va bien. On fait aller, ouais, bah, c'est vrai que là, vous voyez les maladies commencent à se disperser un petit peu au sein de l'entreprise. Ils ont fait des blessés. Arteon qui avait fait une émission aussi, qui avait répondu aux questions pour les noobs, etc. On avait eu un gros débat aussi sur la MMO, tu as apporté un petit peu voilà, ton expertise. Un gros débat, ouais, il y avait un mec qui était tout le reste qui n'était pas content. Voilà, exactement, c'est ça que je veux dire, un gros débat. Voilà, c'était ça. Ouais. Tu vas bien? Est-ce que tu es content de nous rejoindre? Un peu la gastro comme tout le monde, je crois, mais sinon ça va. On va se calmer. Il passe à l'antenne. Zerator qui a peur, qui va peut-être quitter. Peut-être que ça va couler pendant l'émission. C'est parce que tu crois. Et on a également notre ami Max qui présente avec moi. Maintenant, on est habitué, j'ai envie de dire. Cette présentation est claire et concise. Claire et concise, et c'est toujours un plaisir en ta compagnie, Jiraya, toi qui vas nous lancer un sommaire de folie. Exactement, alors c'est au sommaire. Dernière émission. Émission spéciale. Émission spéciale, un sommaire un petit peu spécial aujourd'hui. J'ai mis un bonnet de Noël, vous voyez à quel point c'est très très spécial. Donc on va se retrouver, alors il n'y aura pas de Copaco, il n'y aura pas de Gaming Time et toute foutaise de ce genre. Aujourd'hui nous allons faire un bilan qui va se passer en deux parties. C'est pour ça que nous avons des invités de marque aujourd'hui. On va parler de gaming pour cette première partie, c'est pour ça qu'on n'a pas les polchetrons streamers en premier. Donc on va parler, bien entendu, des attentes suscitées en 2013. On va ensuite revenir sur les sujets qui ont marqué l'année, l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé ici, le domaine du gaming. Et on terminera avec les blockbusters de l'année, une petite liste. Celui que vous avez préféré, voilà, les jeux qui vous ont fait rêver cette année. On va revenir dessus. Éventuellement, si vous n'avez pas encore acheté, ce sera des conseils d'achat pour éventuellement passer un joyeux Noël. Voilà. Exactement. Donc on va passer au premier sujet les amis, je sais que Romain aura fort à dire. Romain va être vraiment mis à l'épreuve ce soir, tout le monde compte sur lui, sinon l'émission se casse la gueule. C'est vraiment pas de pression. Voilà, là c'est la pression, il m'a dit ouais, en vrai, il fait, ne me mettez pas sous la gouttière, les gars, ne me mettez pas sous la gouttière, là tu y es. Non allez, on rigole, on va parler de suite de l'E3. L'E3 mon ami, vous avez bien fait le coverage, on était encore à Bordeaux il me semble en plus. On était encore à Bordeaux. Qu'est-ce qui est ressorti de cette 3 au final, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été le plus médiatisé, on va dire, je crois d'avoir compris, c'est surtout les consoles next-gen qui n'étaient pas encore sorties d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est qu'elles étaient annoncées, il y avait eu une conférence Sony un petit peu avant, il y avait une conférence Microsoft un petit peu avant. On a eu un E3 qui fera date, en fait, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années que les E3 étaient plutôt décevants, avec des éditeurs qui faisaient vraiment le minimum du travail. Cette année, on a eu du lourd, on a eu du drama, on a eu plein de choses avec Microsoft qui avait fait des annonces que les gamers avaient un petit peu conspuées. Après, on a Sony qui a pris le contre-pied, qui a essayé de reprendre un petit peu toute la foule avec lui. Donc voilà, on a vécu un E3 qui était quand même plutôt sympa. Des jeux aussi, beaucoup de jeux annoncés. On n'en a pas vu trop la couleur cette année après. Le 3 pour moi c'était surtout l'annonce des consoles en fait. Et j'ai pas été très très convaincu en tout cas de le 3 2013. J'ai pas été. Moi c'est surtout du côté Nintendo ça m'a. Ils étaient pas. C'est toujours la déception de l'année quand t'as des consoles qui sont annoncées et que c'est forcément ce qui suscite la plus grosse attente en théorie. Quand t'as des line-up aussi pauvres que ceux qu'on a eu là à la sortie en novembre, forcément il y a déception, sachant que Nintendo derrière rattrape pas non plus spécialement le coup pendant une majeure partie de l'année, même si sur la fin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup mieux. Donc, 2014, ça s'annonce mieux pour Nintendo. 2014 s'annonce, mais même pour tout le monde, en fait. Pour 2014, monde. Pour moi, s'annonce bien grosse mieux année que 2013, vidéo. En fait. Très, très grosse année. Il y a eu des beaux jeux, mais en tout cas, en ce qui concerne vraiment
ce qu'on pouvait attendre de 2013, mmh. bah, au final, on peut. Bah, on est déçus, on va sur notre fin. Ouais, beaucoup d'annonces, mais pas beaucoup de concret. Mmh. Après, ça. Je temporiserai quand même quand tu dis que c'est un line-up pauvre. Mmh. Effectivement, il est pauvre, mais ça reste un des plus gros line-up de lancement pour mmh. des nouvelles consoles. Ouais, c'est ce on a rarement eu autant de jeux. Au final, ça me choque pas. Je prends la sortie de la PS2, tout ça, mais enfin, je sais pas. C'est de toute façon grand chose, même à l'époque. Il y avait vraiment pas grand chose. Tu avais deux, trois gros jeux qui sortaient, qui allaient vraiment truster pendant 2-3 mois. Mais c'est vrai que le panel de jeux sortait, mais genre 6 mois bien, après, pour vraiment. Bien voilà, après, je suis d'accord. Clairement, hein, ça me choque pas. En fait, c'est vraiment un truc qui me choque pas. D'année en année, je pense qu'on est habitué à voir 2-3 jeux. Parce que les gens se disent, oui, je suis déçu, la sortie, le line-up est pas intéressant, etc. Oui, mais je sens que même, enfin, même à l'époque de, comme tu dis, GameCube, etc., même à la Wii, enfin, à l'époque de la Wii, ils ont sorti un Zelda, et puis après, on va les sortir. Il y a les Zelda, les Mario, les habituels, les gros titres qui sortent, mais après, derrière, t'as pas non plus des trucs fous, quoi. Je suis d'accord et pas d'accord, parce qu'en fait, le gros problème de cette année, c'est que oui, il y a eu de la quantité, mais il y a eu moins de qualité, je trouve. C'est-à-dire que, ok, souvent, t'as peu de titres faire de lance, mais t'en as au moins un, quoi, ou deux. Dès la sortie, là, ça a été. Donc, tu dirais que sur Xbox One, parce que là, c'est, on parle clairement des consoles next-gen qui sont sorties cette année, la Xbox One et PS4, toi, tu vois pas un gros blockbuster pour l'instant va te faire acheter la console ils sont multi, départ. Ou alors, ils sont multi, ils sont multi, ils sont multi. C'est ça le truc. Et la Xbox a un line-up un peu plus sexy que la PS4 pour le lancement. Sur le long terme, moi, je suis plus convaincu par la PS4, mais ça, c'est très personnel. Par contre, la grosse déception pour moi, c'est le line-up Ubisoft qui a été complètement repoussé à 2014, qui, en fait, suscitait l'attente vachement. C'est pour ça qu'on disait qu'on était déçus. Et voilà, et c'est surtout ça la déception, elle tient de là, parce que pour le coup, on aurait eu un line-up hyper intéressant. Enfin, moi je pense avec des gros jeux, quoi, et bah on en a pas vu la couleur, c'est pour l'année prochaine. Bon, alors l'année prochaine sera meilleure, mais voilà, va falloir attendre encore un peu. Et en attendant, bah ces consoles elles coûtent quand même un certain prix. Et bon, bah derrière, l'investissement, et après, comme tu dis, ce sont des jeux multi-supports, ça veut dire que ça pousse pas forcément même à l'achat d'une nouvelle console, mais presque à l'achat d'une nouvelle carte graphique, puisque sur PC ils seront forcément encore au-dessus. Bah, clairement, donc c'est pas forcément la méga bonne pub pour Microsoft. Donc en fait, c'est un petit peu, on est en un peu tiré entre décès. Et justement, tout à l'heure, on parlait à Serpico, enfin, quand on présentait Serpico, on dit que tu avais fait le test de Killzone. Est-ce que pour toi, justement, ça fait partie de ces choses cette année avec l'arrivée des consoles Next Gen? Plutôt déception, plutôt. Voilà, tu es où? Tu te situes où? En fait, moi, j'avais fait les Killzone sur PlayStation 2 que j'avais trouvé vraiment très bon. Du coup, je me suis dit, tiens, je veux faire ce test. Et en fait, le jeu est pas mauvais, il est même plutôt bon, en fait, mais il justifie effectivement pas l'achat d'une PS4, en fait. C'est-à-dire. À moins d'être vraiment un gros fan de la série et de pouvoir claquer sans compter dedans, ça ne doit pas être très nombreux, je pense. Moi, je n'aurais pas acheté une PS4 pour ça. D'accord. Actuellement, dans la tête des gens, il ne vaut peut-être pas mieux se dire bah, on voit le line-up, il est dégueulasse, la PlayStation, elle coûte ultra cher, est-ce qu'on ne va pas attendre 6 mois que ça baisse et avoir panel de jeux derrière, quoi. Honnêtement, si on réfléchit en termes d'achat, de pouvoir. De toute façon, c'est toujours ce qu'il faut faire. C'est de toute façon ce qui est le plus rentable. Mais quoi, qui a la patience? Voilà, quand t'es un vrai gamer, un dur, t'as la console sous les dents. Honnêtement, ça m'ennuie un petit peu de sortir, allez, je sais pas, 500, 600 boules pour avoir un joli lecteur Blu-ray au final. Mais ça, c'est parce que t'es stagiaire, t'as de l'argent. Oui, on gagne notre prix, t'as avec. Après, le truc, c'est que je vais rebondir là sur ce qui a été dit juste avant, mais c'est vrai que. Sur les autres générations de consoles, on avait à chaque fois un jeu vraiment fort, une licence triple A. Là, on a eu des gros jeux. Bon, Killzone, ça reste une grosse série, mais c'est pas God of War, par exemple. Chez Microsoft, on a eu Dead Rising en exclu. C'est pas Halo. Voilà, d'accord. Un gros Final Fantasy qui est sorti en même temps. Là, on a surtout des reboots. Mais... Donc, on est d'accord que cette année, donc, on l'attendait sous le signe des consoles next-gen. On a eu les consoles next-gen. Après, elles n'ont manifestement, que ce soit en termes de puissance ou en termes de line-up, elles n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on espérait. Elles ne pourront pas se rattraper en termes de hardware. On espère que niveau soft, donc niveau jeu, ça ira mieux dans l'année 2014. Mais je pense qu'on peut. Les annonces, ça s'annonce comme ça. Voilà, c'est ce qui avait été annoncé. Et au final, on a eu, faut l'avouer, pour cette année, ça a été surtout c'est repoussé, en fait, au final. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu déçu. Après, il faudra voir. Bah, l'année prochaine, quand on fera un autre bilan sur l'année 2014, si là, cette fois-ci, on n'a pas été gros. Non, mais il y a vraiment des gros titres qui ont été annoncés ou repoussés, comme tu disais. Voilà, c'est ça. Tout le monde attendait Watch Dogs comme étalon de vraiment la next-gen. Bon, bah, ce sera pour ce le sera pour printemps l'année. Prochain. C'est un peu ça, quoi. Et il y a eu plein de reports comme ça successifs qui se sont rajoutés en plus sur les titres qui étaient déjà prévus. On a eu l'annonce de Metal Gear, je ne sais plus si c'est Phantom Pain ou l'autre. Qui a l'air magnifique. Il y a Transistor, là, par ceux qui avaient fait Bastion. On a Witcher 3, évidemment. Il y a des gros jeux qui sont annoncés. On attend The Order, je sais qu'on est un peu divisé là-dessus. Mais de toute façon, c'est trop tôt. Il y a FF15, tu parlais de Final Fantasy juste à l'instant.
Il y a des choses, même chez Nintendo, on va enfin avoir du Mario Kart et du Smash Bros. Enfin, parce que j'allais en parler. Si les consoles nous ont plus ou moins récompensé, en tout cas, Nintendo a une année pas super fast. Hein. Ça, sur 3DS, je trouve que plutôt riche. Sur 3DS. Sur 3DS, la Wii U... Non, la Wii U, c'est zéro. De toute façon, c'était... Enfin, on est d'accord, la Wii U, ce sera surtout 2014 et on attend les grosses licences. On verra le nouveau Zelda et tout ce qui s'ensuit. Il y a eu juste le Mario en fin d'année pour relancer un peu la balance. Il y a eu Pikmin 3, mais qui est passé un petit peu à côté. Voilà, c'est dommage. Mais bon, on verra bien. En tout cas, nous, pour cette année, les attentes suscitées 2013, on a fait à peu près le tour là-dessus. Tout à fait. Je pense qu'on va passer au deuxième petit sujet, mon cher. Les sujets qui ont marqué l'année. Alors, les sujets, c'est pas forcément les jeux ou les consoles next-gen. Ça va être, par exemple, des débats comme celui du sexisme dans le jeu vidéo qui est revenu sur la table à un moment donné. Alors, je ne sais pas exactement à quelle date, mais en tout cas... Ce qui a fait mouche. Ça s'est passé au courant d'été, un petit peu, nous, avant qu'on arrive ici en Angleterre. Il y a eu... C'est parti d'un blog. Voilà. Explique-nous tout maintenant. C'est parti de blogueuse en fait. la revendication, je trouve qu'elle est plutôt légitime. C'est vrai que le jeu vidéo s'adressait essentiellement et s'adresse encore essentiellement aux garçons, alors qu'on a de plus en plus de joueuses. Le problème, c'est que les créateurs pensent encore sur l'adolescent qui joue dans sa chambre, etc. Mmh. Et il va essayer de le flatter par ses plus bas instincts. Enfin, c'est un petit peu... Voilà. Pour traduire, hein, je ne comprends pas, on parle de boobs. Hein, voilà. Mais voilà, ça passe typiquement. Ah, mais si, je sais quand est-ce que c'est ressorti. Pour les boobs de le jeu. Ah, Scarlet Blade. C'était Scarlet Blade. Dragon Crown. Non, il y a eu Dragon Crown. Ah, Dragon Crown, Scarlet Blade aussi. Ouais. Mais c'est ressorti tout au long de l'année. Mais c'est, voilà, c'est juste qu'il y a vraiment, une masse de boobs en fait qui est. C'est ressorti. Il y a même eu un article encore ce matin dans. Et puis Dead or Alive, et puis on peut. Oui, bon, Dead or Alive, c'est dégonné. Mais même pour The Last of Us avec Ellie, pour Remember Me, qui est leur jeu à avoir une réunion ici, c'est ressorti tout au long de l'année. Ce débat, d'ailleurs, je ne sais pas trop. Mais pourquoi, en fait, à quoi ça en aboutit ? Non, mais c'est vrai qu'il y a des blogueuses qui avancent. C'est juste que les femmes aimeraient être moins sexualisées, je pense, dans les jeux, pour pas être des morceaux de viande, en fait. D'ailleurs, on est en train de faire une animation des jeux vidéo, il n'y a pas de meuf avec nous. C'est complètement ça, quoi. Mais le truc, c'est que je pense que la critique allait plus loin. C'est-à-dire qu'on pouvait reprocher, mettons, ne serait-ce qu'à Shigeru Miyamoto, quand il a créé Mario, c'est encore une fois l'archétype de la demoiselle en détresse. Mm-hmm. Comme si une femme était forcément... Zelda, c'est pareil. Il a créé Zelda, ça. Mais s'il avait fait le contraire. Il a créé ça quelle année aussi. Je suis d'accord. Voilà, ça n'avait pas de sens. La femme était encore un petit... Ce n'est pas réaliste. En dessous de l'homme d'un point de vue représentatif. Mais quoi. Justement, en 2013, alors que ce débat a émergé, et peut-être que c'était une bonne chose qu'il émerge, mais le problème, c'est qu'il est arrivé bien trop tard. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà eu un changement. Enfin, quand on voit le traitement d'Ellie dans Last of Us... bon après c'est une enfant donc c'est un peu plus c'est une ado donc c'est un peu là, différent ouais, mais en tout cas c'est un personnage fort c'est un vrai personnage enfin les choses sont en train de changer dans Bioshock Infinite Elisabeth c'est le personnage le plus intéressant du jeu neutralement donc il y a des choses qui se passent après le souci c'est que même si les créateurs font un effort les joueurs sont en tout cas une certaine partie des joueurs sont les premiers à faire n'importe quoi. Je pense notamment à Beyond Two Souls, où le premier truc qui a été fait quand le jeu est sorti, c'est de déshabiller Ellen Page. Oui, ou de s'arrêter sur les scènes de douche. Mais c'est malheureux, même si tu prends l'exemple de Bioshock Infinite avec Elisabeth, qui est certes un personnage ultra bien développé et vraiment intéressant, ça reste une demoiselle en détresse dans l'histoire à la base. Bien, donc on reste toujours dans ce carcan-là. Au même titre que les filles restent des demoiselles en détresse dans notre tête, je pense que dans la tête des mecs, on reste des mecs et c'est que ça nous fait aussi plaisir quelque part de voir du boobs. Je vais prendre par exemple l'exemple de League of Legends. Regardez, faites pas les hypocrites. Regardez tous les arts, etc. En général, c'est vrai que c'est et ça nous fait plaisir quelque part. Alors moi, oui, on tente. Ça te fait plaisir. On va arrêter cette discussion ici. Ça va bien la commune. Non mais c'est vrai qu'il s'est poussé là-dessus. Je suis d'accord avec Arthur. Oui, c'est vrai. On est hypocrite par rapport à ça, mais on aime bien. On aime bien. Les éditeurs ratent en plus les joueurs. Enfin, il y a des gamers gays aussi. Bon, alors, on va pas ouvrir en débat. Tu veux nous faire parler de ça, hein. On va tourner un petit peu. Bon, c'est vrai que ça, justement, vous voyez à quel point cette discussion a pu rassembler tout le monde et on allait partir sur un débat d'une heure. C'est assez important. J'en doute pas. Et du coup, j'aimerais qu'on parle aussi de la fermeture d'Atari et de LucasArts cette année, mon cher Robert. Et du coup, parce qu'il y a un rapport, bien sûr. C'était une femme. Alors, voilà, Romain, on sort les dossiers.
dossiers. On sort les dossiers, on fait ça comme ça. Ouais. Alors, rapidement. Je pense qu'on va faire ça rapidement, mais c'est vrai que Atari, ça fait partie des sociétés un petit peu emblématiques du jeu vidéo. Pourquoi à la papa. Parmi les premières consoles de jeux vidéo avant l'hégémonie Nintendo au début des années 80. Atari 2600. Voilà, il y avait la console Atari, alors il y en a eu d'autres. Il y a eu l'Odyssée, il y a eu le Commodore. Mais voilà, Atari, ça a vraiment marqué en fait toute une génération. C'était la représentation, vraiment le jeu vidéo à l'américaine de la période fin 70. Et la société n'existe plus aujourd'hui. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose parce que ça a perduré dans le temps, mine de rien. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui peuvent se dire j'étais aussi emblématique et j'ai duré aussi longtemps quoi. C'est ça. Il y a eu un rachat en France. Il y a eu des histoires de gros. Et au final, ils ont mis la clé sous la porte et c'est fini. Sans repreneur, là, c'est. D'accord, ça c'est assez triste quand même puisque c'était un grand monument au final du jeu. C'est un grand nom. C'est un nom. C'est le nom. Après, ça a été. Oui, ça a été mal donné. Tu te souviens s'il y avait un titre en cours qui a été annulé à cause de ça ou pas du tout? Sur Atari, ça fait un moment qu'ils avaient déjà un petit peu des difficultés. Ils avaient plié les gaules depuis un moment, les gars. C'est plutôt LucasArts, là, par contre. LucasArts, c'est plutôt LucasArts. Donc, LucasArts, c'est la société d'édition de jeux vidéo de George Lucas, qui était en charge de tous les jeux Star Wars, à licence Star Wars. Tous. Et pas seulement. La plupart, mais pas seulement, effectivement. Mais ils sont surtout connus pour ça. Enfin, le petit logo avec le. Voilà. Mais donc. Il y a eu le rachat par Disney de... C'est Monkey Island aussi, LucasArts. Oui, exactement. C'est quand même un gros jeu. Et justement, ils ont racheté... donc c'est Disney qui a racheté LucasArts. Et du coup, ils ont racheté Star Wars, ils ont racheté la licence Indiana Jones, mais partout, tu vois, en global. Ils ont tout pris. Et là, ils ont fermé le studio, juste après. Salaud, ils nous ont volé l'argent. Rendez l'argent. Dans tous les jeux, en fait, comme Star Wars 1313, qui était annoncé... Dont on voyait la vidéo en bas. Ou d'autres. Cela, pour l'instant, c'est plus d'actualité. Donc on parlait des jeux de 2014, ça en fera pas. Apparemment, ça fera peut-être partie des jeux de 2016. Oui, mais ils font quand même sans doute des jeux Star Wars. Ils vont faire des jeux Star Wars. Pour accompagner la sortie des films. Voilà, ne soyons pas fous, mais avec Mickey dedans, génial. Ils en ont un MMO, je crois, Star Wars. Ou un open world de Star Wars, je sais pas, je crois, un truc comme ça. Open world, c'est dans la bouche de tout le monde. Avant de terminer, parce que le dernier sujet prendra peut-être un peu plus de temps aussi, on va parler des SteamOS rapidement, revenir là-dessus parce que ça avait beaucoup parlé. On va passer par la mort de Hiroshi Yamauchi, l'ancien PDG de Nintendo, P.A. Sonam, tout ça. Service nécrologie. Atari. Son douce mort. Donc, cet homme est tombé, c'était l'ancien PDG. Il est tombé, pourquoi je dis ça? C'est tombé, il a fait boum. Il a glissé. Il a fait boum. Termine. Malheureusement, il s'est étouffé avec un sushi. Ça part loin, c'est Noël. Il a glissé sur son Wi-Fi. Il est tombé cette année aussi, c'était l'ancien PDG, du coup, on va le répéter encore une fois, de Nintendo. Quelle date? Il est mort cette année, quelle période? Je crois qu'il n'y a pas loin des fêtes en plus. Pas très longtemps. C'était en automne, là, juste là. Il y a deux mois. Oui. Il faut juste dire un truc par rapport au décès de Hiroshi Yamauchi. Ça fait un moment qu'il officiait plus en fait chez Nintendo, vraiment. Mais il avait c'était le. Donc on s'en carre. C'est plutôt emblématique en fait. C'était emblématique. Il était consultant tout à fait. Le mec a fait. Non mais en fait ce qui était important, c'est c'est lui qui a fait sortir Nintendo du jeu de cartes et de tout ça pour en faire une société de jeux vidéo et en faire. Un mec qui a eu de la vision. Dire, stop les Love Hotel et tout ce qui s'en suit. Voilà, on va vers du jeu vidéo. C'est ça, c'est lui qui a créé Nintendo, les Seal of Quality dans les années 80. C'est lui qui a débauché Miyamoto, etc. D'accord, Du coup, un mec qui pèse. Ouais, mais en même temps, c'est le 20 matin, il a dit je sens Mario, je sens Zelda, je sens Pokémon. Faut y aller, les gars, ça sent le fric. C'est un mec qui a géré Nintendo, mais avec une main de fer quand même. C'est-à-dire qu'il a pris des décisions. Il n'était pas réputé pour être le plus sympa de la Terre. Non, voilà, quand j'avais fait l'article pour l'annonce de sa mort. Je crois que j'avais appelé le dernier samouraï, enfin c'est pas pour rien. Ah ouais, d'accord, c'était. Ouais, voilà. Jouer Tom Cruise et tout ça, quoi. Ceci dit, c'est la fin de la période Nintendo un peu glorieuse avec Yamauchi. Dans le sens âge d'or. Maintenant, Nintendo a eu un passage à vide, ils sont revenus avec la Wii, etc. Une nouvelle politique. Casualisation, oui. La casualisation, et ça, c'est après que lui, il est. Justement, c'est le 30 juin. D'accord, lui, c'était quand il était parti et qu'il avait un peu moins opéré à ce niveau-là, on est d'accord. Du coup, écoutez, on va finir justement avec les SteamOS. On va reparler d'une console. Est-ce que tu veux en parler rapidement? Je peux expliquer une présentation très succincte. Voilà. Oh là là, présentation succincte. Monsieur, utilisez le français. Oui. Oui, monsieur. Je peux venir dire au revoir. On a une intervention en live. Voilà. Du méga big boss de la Terre. Alors attention.
Pour la dernière mission. Mets ton micro. Je voulais dire au revoir parce que j'ai plus d'antenne. Moi, je suis pas streamer, donc j'ai plus d'antenne puisque l'émission s'arrête ce soir. Mais tu sais que tu viens quand tu veux. Oui, mais l'émission s'arrête ce soir. L'émission s'arrête. J'ai plus d'antenne du tout jusqu'à l'année prochaine. Donc je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, une bonne année. Et puis à l'année prochaine. Voilà. Allez, on met la pub. Pendant 140 minutes. Alors, on va retrouver l'année prochaine pour la suite dans les collectés. Ne vous inquiétez pas, il sera présent. Il y aura un nouveau format en plus. Je ne vous en dis pas plus. Puisqu'on parle de Rur, qu'on peut aussi féliciter le succès du tweet des 5000 retweets pour obtenir un bus et tout ça qui fait tour de France. Mais bravo. Ça, non, mais ça fait un moment. Mais voilà, pour ceux qui étaient contents, c'est quand même nice. Tu sais qu'on a de l'électricité actuellement, ça y est, c'est fini les bougies aussi. Bah allez, bon, reparlons de la Steambox. Voilà, c'était Steambox, pour finir sur une note positive, un truc vraiment trop cool. Voilà, bref. La Steambox et SteamOS, d'ailleurs, c'est sorti, là, la bêta, c'est disponible. Ceux qui pouvaient avoir accès à Steambox viennent de les recevoir chez eux dans une espèce de grosse boîte en carton, genre. En bois. C'est la classe, quoi. On dirait une grosse mallette. Bref. Ça ressemble à une espèce d'Xbox One, hein, c'est un gros cube noir. Qu'est-ce que c'est ? C'est un PC dans une boîte qui ressemble à une console, de manière à ce que vous puissiez brancher votre PC sur une télé. Et voilà, en gros, ça amène le PC dans le salon. Le but, c'est ça. C'est d'avoir une... Mais s'il était déjà dans le salon. Non, mais je pense que c'est clair. C'est une console qui est faite par Steam, qui est pensée comme un PC, avec un OS qui est fait par Steam. Donc, en gros... Il n'y a que Steam dedans. Très bien. Ça tourne sur Linux, ça se branche sur votre télé, vous avez tous les jeux accessibles sur PC, mais sur votre télé. C'est le SteamOS. C'est le SteamOS. C'est carrément le SteamOS. Tout à fait. Donc c'est quelque chose qu'on pouvait faire avant, complètement, puisqu'il y avait le big screen, je crois, ça s'appelle. Ça va un petit peu plus loin, effectivement. Mais voilà, ça a l'air assez intéressant, ça coûte plus cher qu'une console, c'est aussi beaucoup plus puissant avec une ludothèque bien plus vaste. Il y a plus de choses, il y a un kit développement pour plus de personnes. Pour le moment, aussi. Ce n'est pas sorti, c'est en période d'essai. Exactement. Ça a l'air prometteur, on attend d'en voir plus. Voilà ce que c'est la Steambox et le SteamOS. Donc on attend de voir 2014, peut-être l'année à Steambox, voir avec le nouveau marché et les nouvelles consoles. Et la nouvelle manette aussi qu'a proposé Valve, qui est plutôt innovante puisqu'elle a enlevé les sticks pour proposer quelque chose de tactile. On va voir. C'est pour ça qu'on dit 2014, normalement, il devrait y avoir du lourd. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un nouveau constructeur de console, en fait. Exactement. Oui, parce que là où on avait que Microsoft, Nintendo et Sony, la guerre, on a Valve qui arrive en force et on verra, wait and see, comme on dit. Et puis on verra ce que si on a des nouveaux talents, des nouveaux développeurs qui vont sortir des trucs incroyables en prenant bien soin de cette console. On va terminer avec les blockbusters de l'année. Du coup, on a élaboré une petite liste ici. Alors moi, je vous avoue très honnêtement que je n'ai pas beaucoup joué, pas beaucoup joué du tout. J'ai joué qu'à un jeu là-dessus qui est dans le blockbuster. C'est Dota. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point je suis arriéré, mais les amis de la rédaction, pour en parler un peu. Je travaille trop, Gérard, t'as pas le temps. Désolé. Non, mais il y en a qu'on a oublié. Vous en avez oublié. Mais c'est une sélection, puisque... C'est une sélection, c'est le meilleur cru. Serpico, qu'est-ce qui t'a marqué cette année dans la liste, ou si, même s'il y en a qui ont oublié. On peut citer la liste. On peut citer la liste, en premier. BioShock Infinite, Tomb Raider, Dota 2, The Walking Dead, Beyond Two Souls, Assassin's Creed 4, Black Fag et The Last of Us. Ça se fait pas. Mon petit Serpico, j'aimerais commencer par toi parce qu'on t'a pas trop entendu. Vous avez juste pas le droit à The Last of Us parce qu'on va terminer par Voilà. Alors moi dans cette liste, il y en a beaucoup, je suis vachement à la bourre en fait, il y en a beaucoup que je dois faire, que je vais faire ou que j'ai vu faire. Donc, en l'occurrence, moi je suis un gros fan de BioShock, j'ai pas fait le BioShock Infinite, mais clairement c'est celui que je vais faire dès que j'aurai le temps. On est bien d'accord. Parce qu'il a vraiment l'air très très bon. Tomb Raider, j'ai vu à l'époque mes colocs y jouaient, j'ai vu pas mal de monde pareil dessus. Moi c'est pas nécessairement celui qui m'a le plus fait vibrer. Il avait l'air bien, hein, franchement, ça a l'air cool. Bon, voilà, c'est passé en mode survival, c'est un reboot, etc. Mais j'ai l'impression que sur la fin, on retombe très très vite sur du gros bourrinage de base au lance-roquettes. Moi, ça m'intéressait pas plus que ça, même si le côté survival, justement, où Lara Croft galère un peu, voilà, elle s'en prend plein à la tronche, ça, je trouvais ça bien. Bon, c'est plus survival, là, c'est immortal. C'est exactement le. Tu décris vachement bien le Tomb Raider, c'est-à-dire qu'il est présenté. Bon déjà c'est un reboot, donc on reprend tout à zéro, avec une nouvelle Lara Croft qui a juste 20 ans. Mais le truc c'est ça, c'est qu'on nous présente une jeune fille en fait qui n'a jamais été une aventurière, qui découvre, enfin voilà, c'est genre une fan de Beyoncé. Et puis à la fin, elle défonce des mecs par paquet de sang quand même. Voilà, on parlait du sexisme. Et en fait, justement, on revient sur le débat du sexisme. Voilà, belle image. Et en fait le truc c'est ça, c'est que
cette promesse en fait qui a été faite d'une Lara Croft qui apprend, qui ouais, découvre, un truc hyper etc. personnel, très minimaliste en fait, proche du personnage en fait, on s'en dégage complètement sur la fin. Ça marche pendant la première moitié et après ça part dans le jeu d'action un petit peu trop. À la fin, elle est là, elle sort son arc, c'est dégueulasse, fait oh mec, fort headshot, merci. Voilà, par contre, le jeu est très plaisant à jouer. Oui. Le jeu est une ah oui, mais vraie ça réussite. Pas. Après, le gameplay, non, si le gameplay alors, c'est beau, le gameplay est bon, c'est agréable à suivre, ça se joue, ça se termine. Voilà, c'est bon en tout, mais ça n'excelle en rien. Justement, c'est ça qui est ironique, c'est que là, on a une héroïne à côté de laquelle on passe un peu, alors que dans BioShock Infinite, justement, c'est le personnage secondaire. Entre guillemets, et pourtant, qui normalement est secondaire. Qui est incroyable, parce que moi, j'avais limite du mal à croire que c'était une IA, Elisabeth, dans BioShock Infinite. Enfin, franchement, ce perso est hyper bien pensé, parce que tu ne le joues pas à un seul moment. Mmh. Il t'aide pendant toute l'aventure. Il a un comportement hyper humain en fait, parce qu'elle réagit selon les circonstances, elle s'occupe toute seule quand tu fais rien, elle s'assoit, elle danse, elle regarde en l'air, elle fait des trucs, elle t'envoie des armes, elle agit avec toi, et puis son background est génial, et t'en viens même, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé en tout cas, c'est pour ça que j'ai adoré ce jeu par exemple cette année, j'en venais même à m'ennuyer quand elle n'était pas là en fait. C'est ah oui, hyper bizarre. C'était ton background avec grand travail. Je trouve que c'est hyper impressionnant d'arriver à véhiculer ce genre d'émotion à un joueur avec un personnage virtuel justement, parce qu'elle est tellement présente derrière toi que quand elle n'est plus là, ça arrive pas souvent dans le jeu, mais ça arrive à certains moments, tu te sens seul en fait dans le jeu. Okay, donc si vous retrouvez fait, cette femme d'Ash la recherche désespérément, voyez vos dons. Mais justement, c'est ce que Matt a précisé dans le test, puisque c'est lui qui l'avait écrit, je trouve ça assez fort d'être arrivé à faire ça. Après, le scénario du jeu est très très bon, même si sur le gameplay, il y a pas de grande, enfin c'est pas révolutionnaire, mais en tout cas, ça faisait honneur aux deux précédents, et moi c'est ça que j'avais adoré, et pour moi c'est vraiment le blockbuster du début d'année. Ils ont respecté l'univers. En fait, ils ont toujours cette force, BioShock, déjà du décor, le décor incroyable, enfin la ville de Columbia qui est dans les airs cette fois, là où Rapture était sous-marine dans les deux volets précédents, elle est magnifique, les décors sont vraiment superbes, c'est ultra travaillé, il y a un peu moins de liberté de circulation qu'il y avait dans Rapture, mais bon, globalement on s'arrête toutes les 5 minutes pour regarder des trucs, des personnages, il y a des références partout, des musiques qui ont été retravaillées, des musiques qui viennent de la vie réelle quoi, qui sont pas du tout d'époque, qu'ils ont fait exprès de refaire. Il y a plein de choses, il y a des personnages vraiment super. Parfois même joués et chantés par ceux qui ont fait la voix. Les deux doubleurs, ils sont incroyables. Enfin, j'oublie tout le temps son nom en plus. Le principal, celui qui double Booker DeWitt, qui double Snow. Mais il est vraiment bon. Vous direct. En plus, j'ai honte d'avoir oublié son nom parce que franchement, il est incroyable. Juste les doublages originaux de BioShock sont excellents. C'est génial, c'est vraiment génial. Donc, franchement, ce jeu vaut vraiment le détour, selon moi. D'accord, donc ça, c'est vraiment BioShock Infinite, toi, pour toi, cette année. C'est un jeu sur lequel tu t'es vraiment arrêté. On a dit qu'on parlait pas du dernier avant la fin. Oui, il y a pas que BioShock. Non, je pensais à Dota 2 aussi qui est dans la liste parce que évidemment. Mais on y sortit réellement cette année. Mais t'as raison, c'est une très bonne. Je peux pas ne pas en parler. Bon, il est sorti officiellement cette année, même si moi je fais partie des gens qui ont eu accès à la bêta, donc je crois que j'y joue depuis 2011. Donc forcément, pour moi, c'est un peu vieux, mais c'est quand même le seul MOBA qui, malgré la taille de la liste, parce qu'il y en a eu beaucoup des MOBA dernièrement, qui tient tête à League of Legends, selon moi, un peu. Enfin, en tout cas, qui propose des nouveautés, des choses intéressantes. Une alternative. Et voilà. C'est une alternative qui a un intérêt. Parce que jusqu'à maintenant, j'en ai vu aucune, en fait. Enfin, pour moi, il y avait dans le MOBA, il y avait League of Legends et c'est tout, quoi. C'est vrai. Là, Dota, je pense que Valve a fait un sacré gros boulot. Ouais. Parce que c'était qu'un mode sur Warcraft 3, à la base. J'ai entendu certains de nos casters LOL dire pas plus longtemps qu'hier, je ne citerai pas de nom. Balance. Donc c'est Twix, c'est ce qu'il vient de parler, donc je balance, qui a dit « Je te fais une confidence, je préfère Dota 2 à l'heure. » Oh, Salaud vendu. Je... Quitte cette. Enfin, Jiraya dit ça, mais il joue souvent. Ouais, il a dit j'adore Dota, j'ai envie de jouer à Dota. Il y a un moment, il y a du respect à avoir. Merci. N'importe suffit quoi. Maintenant. Jiraya, complètement. Sans toi, je me sens seul. Non, mais je trouve que le jeu a beaucoup d'atouts. Je trouve qu'il propose un modèle économique vraiment intéressant pour l'utilisateur. Plus que celui de League of Legends d'ailleurs. Il y a une prise en charge de la communauté qui est vraiment. D'ailleurs, attendez-vous à un écho l'année prochaine, parce qu'on a dit qu'on le ferait cette année. Le Dota, le Clash, on va le faire. Mais voilà, la communauté, enfin, ils ont fait participer la communauté à fond. Je pense qu'ils ont écouté beaucoup de doléances aussi. Ça a rendu le jeu vraiment meilleur. Mm-hmm. Et bon, il y a beaucoup d'idées par rapport au replay, à tout ça, au cast. Les champions sont gratuits, il me semble. Tout à fait. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. Le mec, il cherche. Il va prendre une patate de fond. Je pose des questions, je ne sais pas. Quelque part, c'était les meilleurs moves
qu'ils avaient à faire pour montrer LOL, sachant que LOL, de toute façon, c'est énorme, c'est du merchandising. Il y aura toujours des comptes, je suis désolé, pour dépenser des sous. Moi le premier, pour dépenser des sous sur ce jeu. Alors que là, ils se sont dit, bon, on va pas se la jouer comme ça, on va se la jouer plus proche de la communauté, on les met un petit peu dans, comme des oranges. Plus simplement, et voilà, pour expliquer un peu, un business model est uniquement sur les skins. Encore plus loin que ça, les gens, n'importe qui, peuvent créer eux-mêmes des skins. C'est ça qui est excellent. Sur Dota 2, il y a beaucoup plus de skins disponibles que sur LoL. Avec la communauté. Donc tout l'intérêt qu'ils ont, c'est que tout le monde ait les personnages pour que tu puisses acheter plein de skins, puisque tu as déjà les persos, tu vois. C'est ça. Donc, et une partie de l'argent que tu dépenses pour acheter des skins est reversée aux créateurs de ces skins, qui sont souvent très talentueux et qui proposent des choses très intéressantes. Les skins sont ajoutés en fonction des votes sur Steam, donc c'est obligé qu'ils marchent. Voilà, ça, puisque forcément, les gens les aiment, ils ont voté. C'est vraiment une émulation, c'est ça. Donc c'est hyper intelligent. Pour LoL, on est plus au final spectateur, puisqu'on est obligé. Oui, c'est ça. Et on voit Riot essayer de se débloquer petit à petit. Soyons pas mauvaise langue. Riot, moi, enfin, voilà. Les skins proposés par Riot sont sympas, ils sont géniaux, ils sont bien. C'est juste que c'est dommage que ce soit fermé. C'est pas une question d'être dommage ou pas, il y a des gens qui vont préférer, et il y a des gens qui vont, voilà, c'est deux politiques différentes. Rien n'empêche de jouer à LoL ou à Dota, parce que c'est tout le temps le clan LoL. On joue aux deux, on le dit tout le temps, on joue aux deux, pareil. Tout le temps. Je joue Pudge. Par contre, moi, j'ai essayé Dota 2, je me suis fait mais littéralement dérouillé. Les 20 premières parties sont violentes. Non, les 50 premières sont violentes. On a lancé le débat sur l'esport. Voilà, alors on va se laisser suite après le débat. Moi, j'aimerais juste aussi parler de le blockbuster de l'année. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas joué cette année, j'ai vraiment pas joué ça. J'ai regardé un petit peu The Walking Dead, puisque toi, t'avais fait un let's play, je trouvais ça assez sympa. Pas fan de la série, t'aimes pas la série, j'ai vite arrêté. Non, juste c'est pas mon c'est pas mon genre. C'est un jeu qui fait peur, donc forcément voilà, moi j'ai peur, moi je la peur, moi sorti de Annie Pédobier, mais t'es vraiment t'es flippette. Franchement, Gigi, ça fait pas très, non mais je sais, c'est pas une question de ça, mais ouais, c'est le débat. Bon, d'accord, c'est toi qui parle. Parce que là, ça vient comme ça. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je dis, moi, en fait, en tout cas, j'ai pas joué à beaucoup de jeux de console cette année, malheureusement. Mais, bien mal m'a pris, j'ai acheté Day One, la Wii U, et j'attendais Smash Bros. Et Mario Kart 8 qui sortiront très certainement en 2014, printemps, on verra. Mais j'ai eu Pikmin 3, du coup, et ça reste pour moi le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps, hors League of Legends et jeux PC après, qui est très bon. Mais qui m'a pas fait retrouver la flamme que j'avais quand j'ai joué au premier Pikmin, quand ensuite j'ai attendu le 2, en voyant qu'il y avait des ajouts au niveau mode multi, des batailles, etc. Là, je me suis dit, ça va être un bon jeu, je l'attendais, j'ai joué, j'ai bien aimé, mais c'était pas comme avant. Non, mais c'était un très bon jeu, je trouve. J'ai été hyper déçu parce qu'on nous vend tout le temps la Wii U comme une console qui a été faite avec un gameplay révolutionnaire. C'est-à-dire, Nintendo, de toute façon, c'est toujours un argument. On joue pas sur les graphismes et la technique, on vous sort des gadgets qui vont servir au gameplay. Ce que je constate, c'est que le pad de la Wii U ne sert à rien. C'est un gadget de plus. Je trouve qu'il est mal optimisé pour l'instant. Non, mais faut juste le dire honnêtement, il n'est jamais exploité, ce truc. Donc voilà. Après, oui, c'est vrai que dans la liste, on a plusieurs qu'on n'a pas cité. Par exemple, je ne l'ai pas mis comme un couillon parce qu'il est sur console portable, mais j'ai pas parlé de Pokémon, par exemple. Pour moi, ça reste quand même un hit de l'année. Enfin, clairement, combien il y a de gens, même pas juste d'enfants, de gens qui achètent ce jeu, comme moi, par exemple. Mais je trouve que ça a été une année faste pour la 3DS, moi, honnêtement. Regarde les sorties entre Pokémon, Bravely Default, qui est sorti il y a pas longtemps, Fire Emblem. Enfin, il y a vraiment beaucoup de titres de qualité. Même la 3DS, par contre, honnêtement, ils ont carboné. Je pense que c'était l'année pour acheter une 3DS. Là, on peut dire que là où ça a été plus pauvre sur les autres line-up, là, clairement, la 3DS. Ils ont vraiment carburé. On a également eu, sur PlayStation, cette fois-ci, Beyond Two Souls. Déception qui, un peu. Alors, c'était un jeu important et attendu. Malheureusement, il n'a pas été aussi agréable à jouer qu'attendu. Rapidement, Menro. Rapidement, moi j'en attendais pas mal parce que c'est vrai que j'avais bien aimé Heavy Rain de David Cage de Quantic Dream. Et du coup, j'attendais vraiment. Les trailers étaient assez prometteurs, les promesses aussi de David Cage étaient plutôt encourageantes. Donc ça allait plus loin encore. Comme quoi ça irait plus loin, comme quoi le gameplay serait pas juste des petits moments de gaming, enfin il n'y aurait pas de smash de button, enfin voilà le fait de. Et puis au final, c'est creux en fait. D'accord. C'est creux parce que le gameplay est, je trouve, moins bon, les libertés sont moins bonnes Il y a un gameplay que dans Heavy Rain. Et après, c'est beau,
Len Page est génialissime. Elle est belle, William Dafoe est génialissime. La motion capture est superbe. Mais on est dans une écriture un petit peu diffuse, un petit peu... Enfin, c'est difficile de savoir écrire des choses comme ça, un petit peu dans tous les sens, comme le fait Tarantino. Chier, hein, c'est bon. Ouais. 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 Ça, ouais. Sur la haine de Jack. En fait, le truc, c'est que c'est... Non, moi, j'ai y a beaucoup d'envie. Il y a beaucoup d'envie. Mais derrière... Il y a plus un postulat de vouloir faire quelque chose. Mais c'est pas concret. Mais c'est pas eux qui l'ont réussi. C'est maladroit en fait. Ouais, c'est juste concrète, ça, voilà, c'est maladroit. C'est pas eux qui l'ont réussi, on y reviendra tout à l'heure. Effectivement, on parle du dernier jeu. Mais avant ça. Il y a un jeu qu'on est obligé de citer parce que pour moi, il a battu, voilà, il a battu tous les records de la Terre, de vente, de tout ce que tu veux en X heures. Je crois qu'il a eu combien au Guinness 7 records. Oui, j'étais à 5 comme ça. 7 records direct. Complètement monstrueux. Donc c'est les ventes et les sous rapportés surtout en 24 heures, je crois. Moult de thunes. C'était des milliards en fait. Rockstar a plutôt bien réussi son coup. Ils étaient plutôt pas mal. De toute façon, Rockstar, ils ont jamais foiré leur coup, je crois, qu'entre GTA, Red Dead, Bully et tout ce que tu veux. Enfin, ils ont toujours fait des trucs de malade. Après, GTA, moi, c'est une série de jeux que j'aime bien, mais de manière assez modérée. Bon, c'est une bonne critique. On en avait déjà parlé une fois avant de la société américaine. Les gens s'en rendent pas toujours compte. C'est assez noir. Il y a un bon humour dedans. Mais voilà, c'est des jeux dans lesquels, moi, personnellement, je m'ennuie assez vite. Après, bon, je crois que celui-là était... Enfin, de ce que j'en ai vu, en tout cas, il était plutôt pas mal. Donc, c'est plutôt Man Row. C'est le GTA qui s'est le mieux vendu, puisqu'il s'est vendu deux fois plus que GTA 4. Et c'est plutôt... Enfin, GTA 4, ça GTA 4, c'était déjà bien vendu. Galette, les gars, qui est sorti, en plus. Donc, voilà, un jeu plutôt de qualité. Le GTA qu'attendaient les fans de GTA, et ceux qui ne l'aimaient pas, ça n'a pas changé. Ils ne vont pas aimer plus GTA. Il est particulièrement bien réalisé. L'univers créé est vraiment bluffant de possibilités de réalisme. Par contre, on est servi par un scénario où il y a des personnages très forts, très bien écrits. Mais un scénario qui est vraiment dilué au fur et à mesure de l'aventure, et encore une fois des implications du joueur qui sont peut-être encore une fois pas à la hauteur d'autres choses qu'on a pu voir dans l'année, quoi. Donc le jeu est très bon, c'est sans doute le meilleur depuis San Andreas, largement pour moi au-dessus de GTA 4. Il a un mode online qui est vraiment impressionnant, de possibilités encore une fois. Le jeu est super beau pour une génération mourante. Je suis pas d'accord. Pour une génération mourante, la profondeur de champ qu'il y a, la vie qu'il y a dès qu'on s'approche de quelque chose, c'est aussi blindé d'aliasing et c'est loin d'être fluide. On est sur une console qui date de 2006-2007. Calmez. Les grandes box là. Mais reprends GTA 4 sur le même support. Écoutez, vous en parlerez en off là, ça fait trois quarts d'heure qu'on est là-dessus. Mais justement, parce que très bonne transition. Sur le dernier jeu. Assassin's Creed 4, qui est lui aussi un monde ouvert, avec un champ de vision relativement loin, et qui est plus beau que GTA 5, moi je trouve. Mais t'as beaucoup moins de détails. Qu'est-ce de que vie, j'ai dit en fait. Qu'est-ce que j'ai dit là, les deux. Ça va bien la comédie hein. Oh, Arthéon. Ah, moi j'ai rien dit. Un petit mot. Écoute, malheureusement, c'est un petit peu comme la dernière fois quand tu m'avais demandé c'est mon avis. Assassin's Creed, moi, je n'adhère pas du tout à la licence, mais alors vraiment pas. Tu étais plutôt quoi cette année, puisque on joue, c'est vrai qu'en stream, on joue plus à C'est vrai etc. que malheureusement, alors, je n'ai jamais... Tu sais que t'as joué à Pokémon, comme tu l'as voilà, dit tout à l'heure. C'est vrai que malheureusement, j'ai beaucoup moins de temps de jeu qu'avant, hein, tout simplement. Mm-hmm. Je suis dans une boîte de jeux vidéo, mais je ne joue plus, voilà, c'est ce qu'on disait avec Serpico. C'est génial, mais je joue beaucoup moins, et je suis beaucoup moins friand de console next-gen qu'avant. Et c'est vrai que moi, sur le coup, ça a été vraiment la 3DS qui m'a sauvé. C'est vraiment le titre de la 3DS, parce que tu t'en fous, tu fais une pause au bureau, t'as une pause, ben, je sais pas, une demi-heure, une heure, tu peux aller jouer à ton truc ou quoi, ou même chez toi, t'as pas envie, de, putain, tu le mets dans ta console, non, bah, tu défonces un jeu. Donc c'était semaine. Plutôt toi ton année 3DS. Voilà, ça a été Pokémon, ça a été Bravely Default, Fire Emblem, voilà. C'est vraiment une année riche pour la 3DS. Le Zelda, on l'oublie, mais voilà. Mais il y avait vraiment pas mal. D'accord, et je crois qu'on a fait le tour là-dessus, c'est vrai que 3DS, pour moi, ils ont fait une très très bonne année. En termes de console portable, Nintendo reste leader sur le marché, personnellement. Est-ce qu'on peut laisser 30 secondes à Serpico qui n'a pas beaucoup parlé je pense qu'il y a un jeu qu'il aurait aimé citer qui n'est pas dedans, mais son cœur est en train de balbutier. Ah bon en fait. Dis-moi, Serpico. Chevalier de Baphomet. Ah oui, ok, effectivement. T'as une minute, t'as une minute. Pas plus. Parce que sinon, on est foutu là. On est foutu. Alors, c'est pas un blockbuster, sauf pour moi, ça défonce. Alors, si vous ne connaissez pas les Chevaliers de Baphomet, qui est un point technique absolument fantastique. Déjà, il y a un test sur le site. Il y a un test sur le site qui vient de sortir, qui a été écrit par moi-même. Voilà. Le mec vise quelqu'un par moi. Et alors franchement, si vous avez jamais joué à un Baphomet, déjà joué aux deux premiers. Et ensuite, vous faites celui qui vient de sortir. Sinon, il vous défonce. Sinon, je viens chez vous. Et je vous envoie des pizzas. Je vous défonce. Ouais, bah écoute, merci Serpico. Si vous aimez Point and Click, si vous êtes un petit peu...
taré comme lui, voilà. Si vous avez la barbe. Mais c'est vrai que c'est un très bon jeu, c'est reçu de très bonnes critiques, Chevalier de Baphomet depuis le début en tout cas. Et pour ceux qui aiment ce style de jeu, en tout cas, c'est très intéressant. On va terminer. On va clore. Avec un magnifique trailer avant de passer à la partie e-sport, parce que vous le voyez pas derrière. On a Super Twix qui est caché. Les gens, il attend son heure. Il attend son heure. Il a préparé son petit renard. Le bourreau. Dota 2, hein, salaud. On va rester. On va se laisser avec le petit trailer de. On va présenter le jeu avant de se laisser. Voilà, on l'a pas mis en dernier pour rien. En fait. Exactement. Voilà. Pourquoi? Mais où est donc Ornica? The Last of Us, messieurs, meilleur jeu de l'année. On se fait en chifoumi. Clairement, vas-y, je te laisse, je rebondis. Allez, je te laisse. Je rebondis. Voilà, on a parlé des tentatives de plein de jeux, de réussir à faire des choses, à faire ressentir peut-être des émotions. Je pense que Last of Us est l'exemple parfait de ce qu'il faut faire quand on veut faire un bon jeu vidéo. On est à la croisée entre un blockbuster et quelque chose de plus intimiste. Je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure quand tu parlais d'Elisabeth dans BioShock Infinite. Ouais, mais moi, ce que j'ai ressenti à travers le personnage d'Ellie, par exemple. Pareil, totalement pareil. À un moment, juste, il y a un personnage de jeu vidéo, c'est une petite ado. Elle fait la gueule. Bah, elle le dit pas, c'est juste son attitude. Je l'ai ressenti, en fait. Quand j'ai compris ça, je me suis dit que là, j'avais entre les mains quelque chose. Donc tu me demandes si c'est le jeu de l'année. Non, c'est pas le jeu de l'année. C'est le jeu de la décennie. C'est le jeu de la génération de consoles, tout simplement. Quoi. C'est une expérience absolument bluffante. Je connais personne dans mon entourage à qui j'ai montré le jeu qui n'a pas ressenti un petit picotement et l'œil qui brille sur le premier quart d'heure, et je veux surtout pas le spoiler. C'est magistral. Ouais. Le jeu du début à la fin incroyable. Est incroyable, en fait. Il est maîtrisé à 200%, la scénarisation est parfaite, la mise en scène est hors du commun. Graphiquement, il est magnifique. C'est quoi, en fait? Parce que sur les c'est de la balle. Résume vite fait, qu'est-ce que c'est? Parce que comme moi, c'est un jeu à la troisième personne. Tout le temps, mais je n'y ai jamais joué. Alors, c'est un survival horror à la troisième personne, dans lequel tu as un personnage qui s'appelle Joël, si je ne veux pas spoiler rien du tout, qui survit dans une ville depuis des années, il y a un virus qui s'est répandu. Il y a l'équivalent de zombies qui sont partout dehors. Les humains se sont concentrés dans des villes où ils peuvent survivre. Et lui, en fait, il survit depuis des années en faisant du transfert de ville en ville, d'armes, de matériaux, de choses qui peuvent être... Sans contrebandier, en fait. Voilà, sans contrebandier. Et un jour, on lui demande de faire un transfert un peu plus étonnant. C'est Ellie, la jeune fille. Il doit l'amener d'un point A à un point B. Ah, mais c'est le transfert, Luc Besson, en fait. Voilà. Luc Besson et Will Smith. C'est Just Tadam. On a le prochain livre. Non, si on doit citer des références, ce sera plus la route de McCarthy. Ouais, totalement. Et bon, avec Viggo Mortensen. Voilà, c'est une ambiance... Et à la limite, le truc avec le film avec Will Smith, là, je suis Legend. Un peu d'accord avec là par contre, je veux bien. Ouais. D'accord. Mais tu m'as intrigué. Alors, je pondérerai juste, parce que tu as parlé de Survival Horror. Mm. Alors, j'avoue ne pas l'avoir terminé, parce qu'à un moment, j'ai un peu flippé. À un moment, on est dans les égouts, c'est flippant, mais ça fait pas non plus super horror. Je trouve que c'est plus un jeu d'action. C'est survival. Mais horror, ça va, quoi. Ah bah de toute façon c'est pareil, je renvoie encore vers le test, on l'a fait. Oui voilà. Juste lisez-le, il est beaucoup plus complet. Il y a le test sur le site. Petit défaut, c'est peut-être l'intelligence artificielle des ennemis qui aurait pu être perfectible, il y a 2-3 scènes qui sont... Mais... Dans le 2 voilà. Mais non, il y a le DLC qui arrive, et celui-là, c'est un DLC solo qui arrive en 2014. Le mec, il s'enflamme pour rien. Ah, ça, il est vert, amène-moi là, ça, il vous a vendu le jeu complètement. J'avais grave envie d'y jouer, c'était comme il a dit, le jeu de la génération, de la décennie, de la centaine d'années, de millénaire. La galaxie. Exclusivement PlayStation 3, donc il faut acheter une console, parce qu'en plus, c'est pas compatible PS4, si vous voulez en acheter une, bref. On vous conseille, bien évidemment, de le faire. La partie jeu vidéo généraliste, on va dire, de cette émission, on va s'arrêter ici. Sur le trailer de The Last of Us, et juste après, on va retrouver une autre ribambelle de Guy Luron pour parler e-sport. Cette fois-ci, on va faire le tour de l'année, mais côté e-sport. A tout de suite. A tout de suite. Non, mais les micros, ils n'entendent pas.
Magnifique pub, les amis, vous voyez que le plateau a changé, incroyable, non? Bim. Excellent. On a Twix qui nous a rejoint. Twix, salut. Comment vas-tu? La bah, forme? Ça va très bien, et vous? Petit t-shirt Trinité. Ouais, bien ouais, sûr, parce que après ce qui a été dit sur moi, il fallait que je fasse ça. Il fallait que je fasse ça, il y a qui change de t-shirt, il aime LOL. Il est où ton t-shirt de T2? J'ai pas. Je n'en ai pas, je vous promets. Ce traître. Non, je vous filerai rien. À côté, Super Sakor aussi qui est présent. LRB, le rat, bisous, comment tu vas? Tu aimes le France? Ça va très bien, ça va très bien, j'aime le France. Tu as bien streamé aujourd'hui? Oui, j'ai bien streamé, je vais encore streamer après. Donc. Ah, c'est bien, c'est nice, on est content. On a Sky aussi qui vous a rejoint, le beau gosse toujours aussi magnifique qui a été juste en stream juste. Oh, alors là on va peut-être se calmer.
Il me touche un petit peu partout. Ouais. À côté, le Zerator, le grand, le beau et fort, le seul qui peut rivaliser en termes de muscles avec actuellement Dash. Dash ici présent. Voilà, qui ici présent, à qui il peut péter la gueule sans problème, je crois. J'ai cru comprendre. C'est ça, exactement. Ça se passe très bien. Bon, pour cette deuxième partie, les amis, on va parler un peu plus d'e-sport. Beaucoup d'e-sport, même, j'ai envie de dire. Avec un grand E. Je remercie quand même Twix qui a fait le runner. Qui il a complètement carré. Voilà, il a carré l'émission une fois de plus, qui allait chercher tout ça. Bravo, on l'a pas encore fait. C'était juste le golf du Mexique. Quoi. C'est ça. Donc, premier événement majeur, on va en parler tout de suite. 26 janvier 2013. Qui connaît cette date ici? Vous avez tous des fiches, on peut pas faire de questions-réponses, c'est nul. C'était l'Iron Squid 2 pour les comparses Pompétude. Paris, Palais des Congrès, du SC2, du StarCraft 2. Iron Squid. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu notre ami Sarah pour en parler un petit peu aussi, parce que je sais que lui il avait participé au premier Iron Squid, etc. Donc un grand événement, il y avait beaucoup de monde, plus de 3000 personnes sur place. Le palais des congrès était plein en fait. Plein à craquer, une rediffusion aussi en masse, enfin des audiences excellentes. Avec D9 notamment. Oui, D9 d'ailleurs qu'on a vu justement là. D9 d'ailleurs qui commente le Nation War d'Ogaming dans un peu de temps. D'ailleurs, il y avait justement il y avait aussi un showmatch entre Sarenz et Todd, je crois, à ce moment-là, qu'ils avaient joué sur scène. Ils étaient comptés par D9 et Sarenz m'a dit « putain, c'est mon rêve de gosse !» J'en étais trop heureux. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde. Au final, apparemment, c'est Live qui a gagné 4-3 face à Donregou. T'avais regardé, toi, qui est un peu plus SC2 que nous, en tout cas. Moi, j'avais regardé juste la finale, j'avoue. J'avais pas suivi tout le tournoi. J'avais commenté sur scène le 1 et j'avais trouvé ça juste dingue. C'était au Grand Rex. Ouais. Et c'était la première fois que je commentais devant plus de 1000 personnes et il y en avait genre 3000 aussi. C'était incroyable. Enfin, donc le 2, ça devait être un peu pareil. J'avais pas pu y aller, malheureusement. Il m'avait invité, mais j'ai pas pu. Et c'est juste dingue en fait. C'est quand même un gros événement, c'est quand même incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Puis surtout, le public de Pompétude, et de toute façon le public français en général, est tellement réceptif que quand tu commentes et que tu joues avec le public, c'est juste incroyable quoi. C'est un des meilleurs. Et après, c'est l'un des plus grands tournois StarCraft qui a eu lieu. En termes de spectacle, c'est l'un des plus grands, je dirais top 5 même. Enfin, en termes de cash prize, c'est pas le premier. Oui. Mais En termes de spectacle, je pense que c'est dans le top 5 à l'aise. Je vais pas dire top 3, mais sur StarCraft 2 en tout cas, on peut dire top 5. Sans, parce que StarCraft 2 non plus, il n'y a pas eu des masses en France. Oui, c'est pour ça que là. Non, mais même top 1 en France, pas dans le monde. J'ai cru que top 3 France, mais en fait, en train de chercher what the fuck. Je vois pas trop ce qui est vraiment beaucoup plus spectaculaire. Enfin, on a la BlizzCon qui est très spectaculaire et il y avait en gros les finales de ce truc bizarre, machin, Corée, comment ça s'appelle. Pas le OSL, mais la Star League qui faisait dans des hangars avec des Boeing 737 et tout. C'était un autre niveau. Tout à fait normal. Mais voilà, en tout cas, top monde niveau spectacle, Pompétude au top, On peut encore ça coûte quand même très cher ça ces événements. Très cher, c'est quand très le tournoi sous la tour Eiffel. Et puis en événementiel, ils sont toujours aussi bons. Ils envoient évidemment. Ils envoient sévère. On va parler d'une autre date et là je vais laisser Twix justement prendre la parole parce que tu es un petit peu concerné, j'ai envie de dire. Oui, c'était du 23 au 24 mars 2013, c'était en début de cette année, et c'était les LCS, donc du League of Legends à Lille. Et ça, c'était vraiment un événement, c'était le plus gros événement League of Legends, juste qui succédait un petit peu au Tale of the Lane, fois Duo Gaming, qui était jusque-là le plus gros événement League of Legends qu'on avait eu en France, avec du double cast aussi, avec des shootcasters américains qui étaient venus sur place. Les LCS de Lille, donc deux jours de compétition classique de LCS, rien de plus, rien de moins. C'était vraiment le circuit classique avec un public qui était complètement plein à craquer, le Zénith de Lille qui était fou, qui était en feu. Il y a eu combien de monde au final? C'était 4005. C'était à peu près ça. C'était tout simplement fou. Et le public français, justement, puisqu'on en parlait, justement, tu en parlais, avec le public français qui était très réceptif, le public français a marqué tout le monde sur la scène internationale. Mais à chaque fois. Tant ils ont foutu le bordel. Qui vient en event avec une tête de sanglier? Ils sont venus avec une tête de sanglier. Avec un lama et tout. C'était juste. Non, mais c'est surtout quelle salle te laisse entrer en fait avec une sanglier. Il y a Kelly après. Ça, c'est pas la France. Ils ont dû faire OK, les Français, système de sécurité au top. Mec, on a une tête sanglier, c'est normal. Tous les commentaires inter et tout, ils étaient complètement fous. Enfin, voilà, c'était un event
de malade et ils vont refaire un événement en France. Mais à chaque fois qu'il y a, un événement comme ça international, on voit sur les Twitch, à chaque fois les gens sont là, oh the crowd is amazing, ouais. Et tous les gens sont ouf, ils sont là, mais qu'est-ce que c'est que ce pays et tout. Non, elle a failli y aller d'ailleurs à Lille en France, au début, ouais, en France. On a, putain, mais qu'est-ce qu'il raconte. Par contre, il y a un mec qui a failli mourir au LCS de Lille, et tiens, d'ailleurs, je sais pas s'il nous regarde, c'est le mec qui avait le vouvouzela. Ah oui, parce que justement, ce mec-là, moi, je m'amusais un petit peu avec. C'était et tout, Machin Man, attends, comment? Ouais, Klaxon Man. Klaxon Man. Klaxon Man. Je m'amusais un peu avec, et en fait, je me suis rendu compte. C'était une corde de brume, c'était pas un vous A posteriori, tout le monde. Une corde de brume, putain, encore pire. A posteriori, tout le monde le détestait. C'est tout un le monde. Ouais, genre, peut-être 500 000 personnes qui voulaient sa mort. Donc, en fait, le mec s'amusait à faire en plein milieu des commentaires, tu vois. Ouais, dès que tu parles, je dis Klaxon Man, t'es là. Ouais, ok. Bon, on continuait comme ça tout le temps. Non, mais il a survécu tout le long du spectacle, donc ça va quand même. Et le public qui fait des halls là et tout, enfin, c'était n'importe quoi. Donc, c'était fou, il y avait énormément de monde. On espère qu'on aura une fois de plus ça pour la prochaine saison des LCS. Ah bah, en tout cas, en France, on soit encore bien représenté. Il y avait beaucoup de monde, justement, qui s'était déplacé pour ça. Et puis, les joueurs aussi avaient été très présents. Hein. Je sais que j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Ouais, on a parlé avec les joueurs, etc. Ouais. Et ça, c'est ce que j'ai aimé. Qui s'est jeté dans la foule et on a eu peur à un moment qui. Qui partent en fait, voilà, qui partent loin et tout, qu'on le retrouve plus, peut-être dans la tête de sanglier, je sais pas. On va parler console maintenant, ouais, avec un gros tournoi sur Call of Duty. C'était sur Xbox 360, organisé par Activision et Microsoft. C'était du 5 au 7 avril 2013. Il y avait $1 million. C'est tout $1 million. Attends, il n'y a pas une erreur sur la fiche. $1 million sur Call of Duty sur 360. C'était à Hollywood. Hollywood. 1 million, ça fait quoi? Ça fait au moins 2 heures de profit du jeu, ça. Non, figure-toi, parce que juste avant ce championnat, il y a eu la Code XP, il y avait encore $1 million. Bah, c'est ce que je dis. Oui. Bah, donc 20 minutes, on va faire. Ouais, dans le jeu vidéo, on a des millions qui tombent. Ils ont fait deux tournois à $1 million. Ah, bah, clairement, Call of Duty, ils ont des millions qui tombent. Ah, bah, Activision, clairement, ils sont pas pleins. Non, mais c'est vrai que, par contre, enfin, moi, j'avais un petit peu regardé Call of Duty par la suite, parce que je regardais un petit peu Gotaga, etc. Et j'étais tombé sur ça. Et c'est vrai qu'au niveau spectacle, c'était plutôt pas mal. Il y a un mode spec qui est très sympa à regarder. C'est un petit peu difficile lorsqu'on connaît pas trop Call of Duty et compagnie au niveau des déplacements. Ça, je suis d'accord. Mais comme d'abord, ça reste du port. Mais bon, bang bang boum boum, voilà ça. Comme tous les jeux, à part les jeux de stratégie, c'est très dur à suivre. Enfin, ouais, d'accord. Si tu connais pas, tu les FPS, ça reste quand même accessible. Tant qu'il y a des headshots, on peut regarder. Ouais, mais s'il y a un FPS en équipe, tu dois capturer des points et tout, c'est vrai que c'est un peu plus chaud. Des objectifs, non, mais genre, tu sais qui a tué quelqu'un. Tu vois, le mec, il a des bons réflexes. Il va un peu vite. Ouais, et ça avait été, enfin moi j'avais trouvé ça sympa. Au final, c'est les Fariko Impact qui sont arrivés au premier, Envious second et Optic Gaming troisième. C'est passé à Hollywood, comme tu l'as dit, c'est le plus gros tournoi une fois de plus de Call of Duty qui se joue, et ce qui peut paraître un peu bizarre pour plus les joueurs sur de Xbox, voilà, qui joue compétitivement sur console et non pas sur PC. Toi, je sais que tu détestes ça. Hein. Lui, il m'a dit, moi je dégueule. Hein, si je dois jouer à FPS avec une manette, je dégueule. Il y en a un qui est pour. En tout cas, t'es pour la console. Non, pas la console, mais genre Call of et tout. Alors tu vas sortir. Moi, c'est moi qui décide sur cette émission. Tu sors. Mais moi, autant. En fait, c'est parce que j'ai toujours joué sur console. Mais moi, autant j'ai fait des LAN CS et des LAN Quake et tout. Et honnêtement, c'est très très bien adapté, hein, le FPS sur console. Enfin, on est d'accord. Moi, j'ai joué à Call of avec des potes. Ah, t'es d'accord avec Je parle surtout pour Skyhard. Non, mais c'est complètement... Non, mais Sky, c'est juste une question d'habitude aussi. Quand tu viens de CS, tu peux pas dire à un mec... Moi, je comprends pas comment... Mais c'est une question de préférence. C'est comme ceux qui préfèrent iOS et Android. C'est... Juste, tu peux en parler 3 heures, le mec qui préfère iOS. Bah, en fait, je suis d'accord, mais je pense quand même que les meilleurs joueurs sur souris sont plus forts que les joueurs sur... Mais il n'y a pas de comparaison. Ça, tu vois, c'est zéro. C'est quelque chose qui était gravé dans le marbre dans ma tête, jusqu'à ce que, chez Millennium, il y avait des joueurs pro, etc. Il y a Gotaga qui est passé, il y a Diablo Zotank, etc. Et tu vois ces mecs-là avec une manette, ils font des trucs qu'à la souris, même avec 5 ans d'entraînement, je ne fais pas. Pas nous. Même les joueurs pros, c'est niveau équivalent, quoi. L'aim et tout, et c'est regarde à quelle vitesse ils se font des headshots, genre sans viser au sniper. T'inquiète qu'à la souris, tu vas pas beaucoup plus vite. Hein. Il y a une mini assist pour la visée, pour une petite visée auto, qui était d'ailleurs un petit peu trop développée sur Black Ops 2, mais qui l'est un peu moins sur Ghost. Quand tu les vois jouer, honnêtement, déjà les mecs ils tiennent pas leur manette comme nous. Ils sont en formation clos.
en fait. Il joue avec l'index comme ça, qui fait les boutons. Je comprends que ce qui te choque, en fait. Franchement, pour avoir commenté les League Cup pendant 24 semaines, j'ai vu du coup les meilleurs joueurs sur Shootmania, donc des, en général des gros Quakers, et donc des mecs... Oui. Enfin, Quake, honnêtement, je pense que c'est pas le jeu le moins skillé du tout, bien au contraire, c'est un des jeux les plus skillés. Et les meilleurs joueurs de Quake ont pas mal joué à Shootmania, enfin des très bons joueurs en tout cas, et clairement, quand tu voyais ce que mettait des fois AKM, bah, tu fais... Bah ça, oui, mais là, tu dis un truc que t'as vu, mais est-ce que t'as vraiment vu des mecs jouer à la manette? Non, mais est-ce que tu peux comparer? Non, mais en vrai, tant qu'il n'y aura pas de cross-platform, il n'y aura pas de débat. À mon avis, il ne peut pas, parce que genre... Il ne peut pas partir là-dedans. Ce qu'il faisait, genre, il faisait un 360, mais vraiment, et il frappait, mais tu voyais rien, et il tuait le gars. Et c'était méga impressionnant, quoi. Mais c'est ça, toi qui mecs qui le font sur console, c'est gamin. Il doit y avoir des choses bien, mais en fait, comme il est. Tu vois, moi, je sais qu'à l'époque, j'avais vu un affrontement entre un joueur console et joueur manette, et ça avait été fait, et les joueurs console, enfin, les joueurs PC avaient gagné. Et à ce moment-là, je m'étais dit. Je demande vraiment qu'aujourd'hui, il y ait rematch. J'aimerais bien le refaire. Parce que aujourd'hui, je suis pas sûr. Mais non, mais le cross-platform, ils pourront jamais gagner. Il y a beaucoup plus de contrôle sur PC. Pour moi, les gros PC les battront toujours. Mais il n'y a pas de débat, puisque c'est deux trucs différents. Parce qu'en fait, si tu voulais un vrai truc égal, enfin, un combat égal, tu prends. Bah non, mais en fait, tu veux un vrai truc égal, tu prends les mecs qui jouent sur PC, tu les mets sur console, ils jouent à la manette, ils perdent, et puis tu prends les mecs qui jouent sur. Oui, voilà, c'est ça. Et au final, c'est égalité, puis on arrête là, et c'est débile. Et puis c'est débile. Ça nous fait chier, là. Voilà. On s'en fout. En tout cas, ce ne sont pas des sous-joueurs, ça c'est clair. Non, mais clairement, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Non, ils sont pas inférieurs aux mecs PC. Oh, le mec, pardon, je veux dire, les nazis. Je vais les défoncer tout le monde. Non, mais ils sont très forts. Et c'est pas parce qu'ils sont sur console qu'ils n'ont pas le mérite de gagner même un million, ils méritent l'argent. Ah bah ils mettent la sauce. Exactement. Ouais, on passe au prochain. LCS, on revient sur PC, tout à fait, oui. League of Legends. Le 24 et 26 mai 2013, on a eu les LCS All-Stars à Shanghai. Et on peut vous dire que l'Europe a pris une tollée monumentale, justement, à CLCS. C'était assez violent, bah première rencontre. Si. Pas Soaz, c'est vrai. Cocorico. 1v1, Soaz. Oui, attends. L'Europe n'a pas pris la tollée sur l'événement. Un Européen a gagné. Moi, j'étais très déçu de ces All-Stars parce que pour moi, l'Europe a été représentée. C'était pas l'Europe, c'était Gambit Gaming, quoi. Il y avait un peu dedans qui s'était perdu, qui était mais merde, qu'est-ce que je fais? Je parle russe, ou pas, quoi. Et ça m'a fait quoi. Foutu Yellow Pit, allez vas-y, ouais t'es le meilleur des Caraïbes, bah bien sûr, joue-moi un heure de violent. En vrai, ça m'avait détruit CLCS, je vous dis, les All-Stars, d'accord. Ça m'avait vraiment, mais c'est vrai que Soaz, après pour les 1v1, je suis d'accord, il y a eu de très belles rencontres, de très belles choses. Moi j'étais un petit peu déçu par contre pour les sélections, et l'Europe a été, je trouve, un peu mal représentée, mais ça c'est mon avis une fois de plus. C'était les votes, il y avait genre 6 joueurs dans chaque rôle qui s'affrontait en 1v1, mais au final, les joueurs ne jouaient pas leur rôle. Exactement. Les joueurs jouaient les persos. Oui, OP du moment. Le plus fort en 1v1. Oui, et ce qui était intéressant, par contre, je trouvais que c'était le 1v1, enfin le 2v2 en fait, dans la bot lane. Ça, c'était vraiment intéressant. Parce qu'au final, les 1v1, souvent, en laner, c'était soit de l'outpick total, parce que c'était du blind pick, donc déjà de base. Moi, déjà, du blind pick, je trouve que c'est pas du 1v1 pour moi. Quand tu prends un perso et que tu tombes contre ton counter, bah t'as perdu. Ça me rappelle justement, tu parlais de Hotpix, ça me rappelle ce duel entre Soaz et Pididi justement. Soaz qui avait pris Nunu. C'est exactement ce à quoi je pensais. Il avait pris Nunu. C'était horrible. Et Pididi avait pris Annie. Il avait fait Pididi ne pouvait pas gagner en fait. Il a arrêté de jouer en fait. Il avait aucune chance de gagner. C'est pour ça que Pididi au niveau 2 il a fait parce qu'en fait il avait perdu en fait. Il a arrêté. Non mais de toute façon. Et pourquoi il avait pris Annie? Il avait pris Annie pour contrer un pic d'AD Carry. Parce que s'il ne fait pas petit burst sur un AD Carry, le petit burst suit l'AD Carry et il peut le tuer. Parce qu'en général, on en 1v1, on prend les. Donc en gros, c'était du blind pick, celui qui piquait le mieux a gagné la partie. Donc au final, pour moi, c'est pas du 1v1. Pour moi, ils auraient dû faire un 1v1 avec des match-up et tout, des trucs skillés, etc. Là, c'était un test, c'était plus pour moi de la propagande. Sur la 1v1. Mais non, mais c'était un move pour starifier les joueurs. Le 1v1 n'a aucun sens dans un MOBA, tout le monde le sait. Pour moi, le 1v1 a du sens, mais sur des match-up. Mais non, il n'a pas de sens. Si, pour moi, si, sur des match-up équitables. Mais il y a des trucs, quand tu vois pick ban, tu fais bah t'as perdu, mec, tu peux pas gagner. Et c'est la vérité. Soit en gros, le mec, pour moi, Inani a la chance de tuer un Nunu au niveau 1 et c'est tout. Le jeu de toute façon n'est pas du tout fait pour ça. Ce format-là. Et puis il n'y a jamais d'un V1 dans les vrais games. Tu prendrais sur une poule de 117 champions, t'en prendrais 10 que tu lockerais complètement pour faire des 1v1. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Pour moi, si, mais avec des match-ups. Genre, mais d'ailleurs, Lee Sin Riven, Jax Irelia, il y a plein de match-ups qui sont intéressants, mais des match-ups, mais pas du blind pick total qui, au final, déjà réduit le pool à 20 persos. Il y a 15 persos qui sont viables en blind et c'est tout. Tu prends un personnage, tu prends un Panthéon, t'as perdu, mais. Trop fort Panthéon.
Et surtout si tu joues à PES. Mais d'ailleurs, cette map 1v1, ils avaient dit oui, la map 1v1, machin. Soon. Alors, ouais, elle était disponible soon. Sur PBE à un moment. On l'a toujours pas vu. Il y avait des trucs. Ils ont dû repérer Mars Bug. C'est le prochain mode. Ouais, normalement, c'est le prochain mode. C'est pour ça qu'ils ont arrêté. Ouais, moi, ça me fait trop rire. Enfin, World for All. Non, mais please, un an pour cette map qui est déjà sortie, qui oui, existe. Oui, voilà. Déjà. Et tu es en blind. Ça veut vraiment dire on attend la concurrence pour faire un patch. Je sais pas, mais à mon avis, ce sera du blind. Il y aura les deux. Il y aura 1v1, il y aura 2v2. Enfin, c'est ce qui est prévu après. Donc, l'opération d'avant, c'était le truc avec les 5 mêmes pics. Non, mais ça, pour moi, ça veut vraiment dire on attend une concurrence pour sortir un patch. Comme faisait WoW avant, en mode on sort pas nos mises à jour et dès qu'il y a un petit concurrent qui sort, hop, boom, un patch, mise et bam. À jour. Enfin, pour moi, c'est vraiment c'est ça, quoi. Ça. Sinon, pourquoi elle serait déjà sortie? Bah, c'est soit marketing, bon, soit que les mecs. Non, c'est marketing. Non, mais il y a peut-être trop d'argent en jeu. Non, mais c'est pas soit c'est marketing, soit ils réfléchissent. Non, c'est marketing, point. Enfin, je veux dire, ils attendent une. Très bien, il n'y a pas de débat. Non, mais s'il y a une conclusion à avoir sur ces All-Stars, c'est déjà que. On donne un trop au Nazerator. Non, mais il pourrait être honnête. Non, mais il a raison. Et dire, on va pas la sortir pour l'instant. J'ai mis des hypothèses. Et pas nous dire oui ou c'est pour ça que je préfère Dota. Voilà. Ah, et on va en parler parce que. Quoi, c'est pas le suivant. Tu vas te calmer. Moi, je voulais te donner d'abord le résultat parce qu'on sait bien, on parle d'LCS. Oui. On leur dit oui. Bon, on était peut-être un peu déçus. Il y en avait un. Mais bon, ceux qui ont dominé, faut bien le dire, c'était les Asiates. Hein. C'était ta famille, mon petit gars. Non, c'est la Corée qui a terminé première, Chine seconde et Asie du Sud-Est en troisième. Ouais. Moi, j'ai été un petit peu déçu, je l'ai dit là-dessus. Mais ça avait été quand même très intéressant de voir des rencontres. Nous, on aime beaucoup ça, justement. Les rencontres mondiales, intercontinent. Là, c'était vraiment tous les joueurs. Ça met des styles de jeu en confrontation. Et puis ce style de faire le schéma All-Stars, ça reprend les sports et tout, le football américain, le basket. Du coup, ça starifie les joueurs, enfin c'est génial. Et ça rend le sincère quand même. Maintenant, avant, il y avait des méta propres à chaque continent. Enfin, au tout début, il y avait les Américains qui jouaient totalement différemment et tout. Maintenant, c'est vraiment, enfin, c'est très homogène, quoi. Oui, je suis d'accord. Ouais, plus parce qu'avant, qu'on se rencontre. La bot lane, c'est la bot lane et enfin. Les gens se rencontrent. Et en parlant d'homogénéité, messieurs, on va parler de Stefano. Ça n'a pas de rapport, effectivement. Mais si on remarque, sa carrière était plus ou moins homogène. Bravo. Bravo. Et voilà. Merci, merci. Génial. On va parler de Stefano qui a arrêté sa carrière. Très belle vidéo. Très belle vidéo. Regardez bien le pied de Stéphane. Bien, attention. Non mais alors un truc. On voit surtout Salomé à côté. Des bisous. Non mais truc de fou sur cette vidéo, c'était, je sais plus quel événement c'était, il avait gagné, etc. C'était la NASL. Et voilà, je crois que c'était la NASL. Et en gros, à la fin de cette vidéo, on le voit boire du champagne. Et à l'époque, il n'était pas majeur aux USA. Il avait 20 ans. Et ils lui ont fait boire une coupe de champagne en live et il fallait avoir 21 ans. Attention, Hadouken bah il l'a avalé. Ceci est un high kick. Headshot. Excellent, j'avais jamais vu. Sans viser en plus, le mec est un bon. Moi, je l'ai vu en live. Donc cette demoiselle qui est d'ailleurs une playmate, d'ailleurs. Je vais me suicider. C'est un modèle pour Playboy. Personne ne m'a écouté. Vous pouvez la retrouver. Vas-y, attends. On commence par la jambe. Je précise juste, c'était un modèle pour Playboy depuis elle a perdu son travail. Voilà, malheureusement, Alex, elle a perdu son pif. Je peux parler. Viens ici tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, à cette compétition, Stefano a bu en direct une bouteille de champagne alors qu'il avait 20 ans. Et oui. Aux États-Unis, c'est 21 ans la majorité pour l'alcool. Et donc, il y avait Total Biscuit, qui est donc un ancien avocat, qui avait tweeté putain, mais lui faites pas boire du champagne, bande de débiles. Et voilà, anecdote rigolote. Et finalement, je crois qu'il n'y a pas une suite. Rien dit. Voilà, ils n'ont rien dit, il ne s'est rien passé. Comme quoi, justice à deux vitesses. Complètement. Bon, je savais pas que Total Biscuit faisait ça. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait par exemple une photo de moi qui tournait un petit peu sur le net où j'avais escorté Stefano en dehors d'une boîte en Suède. Il était complètement. Ah, c'était toi? Complètement fracassé. C'était moi derrière d'un second. Oui, c'était pas un videur. Il était complètement fracassé. Justice à deux vitesses, comme tu dis, parce qu'il n'a pas eu de problème. Ah ouais, non. Ouais. Heureusement. Clairement pas. En fait, le mec a toujours une bonne étoile et c'est toujours une bonne beaucoup d'argent. Non, ou de la fame, c'est tout. Quel est le rapport? Enfin, les flics connaissent pas Stefano. Ah ouais, mais les gens qui pètent la gueule aux flics, si. Alors, on va arrêter le débat. Là, on dérape encore une fois, d'accord? C'est bon, on va passer sur un bon événement, justement, mon petit Max, puisque ça, c'est ton domaine. The International. Du 2 au 11 août. D'ailleurs, c'était le 2, c'était le 3, je ne sais plus. Du 2 au 11 août. C'est marqué 2 au 11 août 2013. C'était le 3. C'était le 3. Il y a un mec. C'était le 3. Mais oui, c'était le 3. Je t'ai remercié tout à l'heure. Puisque le premier, c'est Navi qui a gagné, le deuxième, c'est des Chinois, et le troisième, c'est Alliance qui a gagné. Et oui, car Navi ne gagne plus. Ils ont gagné face à Navi. Voilà, ils ont gagné face à Navi, mais Navi est quand même fort parce que Navi est quand même la seule équipe qu'elle a depuis le début de Dota 2 et qu'on voit toujours au moins sur des podiums jusqu'à encore aujourd'hui. Pas aux deux.
si. Non, au 2, ils ont pris une petite culottée, mais ils ont quand même, ouais, ils sont quand même pas fait défoncer dès le début. Ils ont quand même été assez loin, et c'est la seule équipe européenne à avoir été assez loin lors du deuxième. C'est la seule équipe européenne à avoir un seul joueur que tout le monde connaît. Ah, Dendy. Dendy et Pepe sont très connus. Non, mais c'est surtout Dendy. Dash, il a l'air horrifié là-bas. Non, qu'est-ce qu'il raconte? Ils sont tout le temps en finale. Ah, ils étaient en finale aux deux? Ah, oui. Tout le temps en finale. Ah, donc c'est ce que je dis, ils ont fait deux fois second. Ils ont fait deux fois second, donc ils doivent bien vénère. Ah, Dash, un tatouage Navi, en fait. Ils doivent être mais Dendy, qui est un peu le Ocelot de Dota, en gros, hein, pour ceux qui connaissent, c'est un peu la star, c'est lui qui vend le jeu. C'est le mec, quand il pique Pudge, qui est un personnage de Dota 2, tout le monde hurle dans la salle. Sauf qu'à l'inverse de Ocelot, lui, c'est joué encore. Alors que Ocelot, c'est-à-dire, lui, il est dans le top 10. Il est encore très fort. Voilà, alors que Ocelot, et plus que dans le top 100, je pense. Enfin, voilà. Et encore, enfin, je sais pas Skyhard ce que t'en penses, mais. Tu prends les Asiatiques ou pas? On peut parler peut-être du cash prize et de la manière dont Valve a procédé. Alors, un petit peu, je trouve ça très intéressant. Ah oui! Le cash prize de Tadeu, en gros, c'est 1 million. Voilà, ouais, c'est 1 million, ça n'a pas changé. Par contre, 1 million de dollars, oui, tout à fait. Par contre, ils se sont dit, faut quand même qu'on marque le coup, faut qu'on donne plus de pognon. Ils ont regardé mon My Major Company, en fait. Voilà, et ils se sont dit, on peut voler des gens. Ils se sont dit, on peut faire masse. Ils ont mis un truc en vente, espèce de bouquin avec des cartes Panini à collectionner avec des joueurs dedans, le compendium voilà, de Tadeu, que tu pouvais acheter, qui coûtait, je crois, 2,50€, un truc comme ça, ou peut-être un peu plus. 2,70€, je crois. On s'en fout, ça coûtait un peu de blé, mais c'était très joli, très réussi. C'était peut-être 7€, mais bref. Ouais, c'était pas donné quand même. T'es peut-être 13€. Mais en tout cas, non, je crois que c'était 7€. Et sur les 7€ que tu payais, tu avais 2,50€ qui étaient reversés au cash prize. Deux interchanges. Un cash prize de 6 millions. Ça a très bien marché puisqu'on est quasiment la moitié. 2 600 000, je crois. 2 874 000 oh là 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 dollars. Et 380$. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Alors, 380. C'était largement rentable pour ceux qui ont acheté cet item parce que déjà, dès que tu l'achetais, tu avais. En fait, il faut savoir que quand vous jouez à Dota, à la fin d'une game, vous pouvez gagner des items. Il y a du drop, justement. Il y a du drop, voilà. Et en fait, dès que tu achetais le compendium, tu avais un bonus qui se déclenchait et qui faisait que tu avais plus de chances de looter des trucs en fin de game et des bons trucs. Donc déjà, ça c'était un peu rentable parce que tu gagnais des bons items. Ah la blague quoi. Le deuxième truc, c'est que à la fin, une fois que le truc s'est terminé. C'est un peu bof quand même. C'est trop malin. Le truc, vous avez eu Magic Find, please. Non, mais c'est hyper malin, c'est hyper malin. Ah, et plus tu avançais dans le truc, plus tu avais des goals, comme un Kickstarter ou comme un My Major Company. Et du coup, plus tu avances dans les thunes que tu débloques, plus tu débloquais des rewards, en fait. Donc ça pouvait être typiquement des skins, ça pouvait être des HUD pour ton jeu. Sauf qu'au final, la valeur de tout ce qu'on a débloqué en achetant le compendium valait largement plus de 7 euros si tu les avais achetés in-game. Donc c'était quand même, malgré tout, pas vraiment une arnaque, c'était plutôt intéressant. Un effort collectif. Ça a vachement bien marché parce que les gens s'échangeaient les cartes des joueurs, parce que tu pouvais looter des cartes de joueurs à la fin des games pour les coller dans ton bouquin, tu vois. Garde après le bouquin. Énorme. Et ça marchait à mort, les gens se les échangeaient, ça se collectionnait, les gens se les achetaient. Attention, c'est un bouquin virtuel. Hein. C'est virtuel. Non, parce que là, oui, tu colles dans ton bouquin. Tu dis, regarde, j'ai eu Dendy et tout. C'est les trucs Panini. Mais c'est ça. C'est ça au 88. Non, mais surtout, c'est virtuel. Mais mec, c'est virtuel, mais. Panini, c'est physique. Cartonné. Et je peux te dire, s'il y avait eu ça sur LoL, t'inquiète que les gens se seraient échangés les joueurs. Bien sûr. En plus, il y avait tout un système assez poussé. Si tu complétais une team entière, tu gagnais des trucs et tout. Enfin, League of Legends, qui a l'habitude de copier, il ferait mieux de copier ça, quoi. Non, mais. Putain, la carte XPK. La carte XPK dorée. Mais il y a beaucoup de Mais bref. J'avoue, SC2 par contre. Donc c'était un gros event. Après, c'est très différent. C'est très différent des LCS, puisque ça dure à peu près 2 semaines. Ce qui n'a rien à voir avec LCS, qui dure quasiment toute l'année. Donc c'est quand même très différent. Quoi. Mais c'était un gros event majeur. Voilà, par contre, c'est pour ça, la mort pendant 2 semaines. Et c'est d'ailleurs pour ça que la finale d'Iron Squid 3 a fait plus d'audience que la finale de League of Legends en stream. Ah ouais. C'est parce que l'event est plus court et donc il y a beaucoup plus de gens. C'est un événement. C'est un événement aussi, il faut le rajouter. Oui, voilà, c'est plus un événement. Précieux, Et donc c'est quand même cool à souligner, c'est-à-dire que la finale d'Iron Squid 3 mondial a fait plus d'audience que Iron Squid la finale. Ouais, putain. Pardon, j'ai l'air de dire de quoi il parle. C'est un message subliminal. C'est ça, c'est la ligne 8 a fait bien entendu plus d'audience. La finale de Dota 2, voilà. International. Ils sont bons, a fait plus de vues que. A fait plus de vues que League of Legends. Allez, on va passer à un prochain sujet que. Alors là, s'il y a quelqu'un qui, malheureusement, moi je ne m'y connais pas là-dessus, c'est Halo 4. Halo for Global Championship. Final. Best FPS console. Septembre 2013. Nous on y joue parce que j'adore ce jeu, c'est excellent. C'était à Seattle et c'était Ace versus
Igo sur Pistola. Il s'appelle Pistola. Alors moi je croyais que c'était un truc genre un Mexicano. Igo de Pistola. Il est pas du tout mexicain, mais il est très très bon. Igo sur Pistola qui est une légende sur la scène à l'eau. D'accord. Apparemment là c'était vraiment le kill à 200 000 boules en mort subite. En fait c'était un 1v1, donc c'était un duel entre deux joueurs. Voilà, c'est monté, etc. Il y a un tournoi classique. Et en gros, dans la finale, les joueurs ont fait un tie. Donc une égalité, ouais. Et donc on a eu une mort subite. Alors là, le ballon d'or, enfin le flamme. Là, un kill à 200 000 dollars. Horrible. Oh, t'imagines, à chaque fois que tu tues un mec, en un round, bam. Et c'est justement pas le Ocelot qui a gagné, c'est l'autre, l'adversaire, donc Ace, qui a gagné 200 000 boules directement. C'était un event assez majeur, il y a eu énormément de vues, etc. Enfin, c'était un événement majeur. Combien de viewers, tu sais ou pas ? Il y avait à peu près 500, 600 000. 600 000 ah ouais, là, c'est énorme. Ah ouais, en même temps, un kill, 200 000 boules. Ça durait pas longtemps, quoi. Oui, voilà, c'est genre. Oui, mais tu vois, c'est marrant. Oui, mais c'est marrant parce que tu vois, ça a buzzé. Tu vois, par exemple, des gens comme nous qui sommes passés à côté, alors qu'en fait, c'est vachement regardé. Oui, oui, c'est aux États-Unis, qui a une scène compétitive qui est suivie justement aux États-Unis, mais qui est très développée. J'aime beaucoup. Tu as entendu parler de ce compétition. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de regarder celle-là. Mais tu regardes. En tout cas, j'aime beaucoup regarder Halo. Je trouve que c'est très skill. Et maintenant, c'est voilà. Des fois, il y a des fois que tu dis, oh mon dieu, comment il a fait ça. Oh my god. Tellement stylé. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. C'est un très très bon jeu. C'est beau à regarder et c'est vrai que c'est skill. Et puis l'année prochaine. C'est nerveux. L'année prochaine, bientôt, j'espère un nouveau Halo. Bah grave. Attends, on va en parler de FPS. Moi, c'est pareil, Halo. Il a FPS console. FPS 3, c'est sorti sur PC. C'était plus. Voilà, c'est toi, c'était plus. Le 2 est sorti sur PC. T'as joué à Halo. Quoi, qui a été mal joué. J'ai essayé, mais. Il a essayé sur Xbox, c'est pas pareil. C'est pas pareil. 3, il était là avec la manette. Je vais dégueuler. J'ai envoyé des prismes tout par terre. On prend une vieille épée et il nous dit pas où elle est et il nous dit. Ah bah non, c'est grave. Ah non, pas du tout. On disait pas. L'épée, ça se dit pas. Le pire, c'était le bazooka. Il avait un bazooka. Bref. Non, mais attends. T'as jamais joué à GoldenEye et Perfect Dark sur N64? Si, j'ai joué, mais c'était quand même des purs FPS contre. Oui, mais j'étais casu, genre je travaillais pas. Oui, d'accord, mais niveau jouabilité, c'était dégueulasse. C'était cool quand même. Non, c'était vraiment bien. GoldenEye, c'était vraiment les quakes et les UT. Ouais, voilà. Non, mais je veux dire, t'as passé des bons moments. Enfin, tu comprends des gens. Ouais, bien sûr. Mais je sais pas, pour moi. Pour moi, c'est l'exemple typique GoldenEye et Perfect Dark. Moi, je resterai. On va les couilles. PC, c'est cool, souris. Ouais, c'est bon. Il parle de Smash Bros. Et tout. Ah oui, non, mais en termes d'événements qui a fait énormément de vues aussi dans l'e-sport. L'Evo 2013. L'Evo 2013 qui a fait beaucoup de vues sur un jeu qu'affectionne tout particulièrement Jiraya, on n'en parlera jamais assez. C'est le meilleur jeu du monde. Super Smash Bros. Melee. Voilà, 130 000 viewers, ma gueule. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe sur un jeu de GameCube? Télécathodique. Télécathodique. Et oui, je suis sur si t'as pas une télécathodique, tu ne peux pas jouer. 50 pouces, 200 kilos, alors. Mais c'est vrai, le pire, c'est que c'est vrai. Si t'as pas de télécathodique, le jeu lag. D'accord. Sur l'écran plat, il faut putain, trop de technologie. Faut que ça soit parfaitement fluide. En fait, c'est pas fluide et du coup. En plus, ça faisait plaisir. Et l'Evo était un très bon event, justement. On a eu des joueurs excellents sur Street Fighter aussi, c'est pareil. L'occasion pour nous de rappeler qu'il y a une date, il y a une date qui a fuité un peu pour la sortie du prochain Smash Bros. Et en fait, ça a été démenti par le créateur de Smash Bros. Ouais. Il a dit, je maintiens que ce sera en 2014, mais la date qui a été annoncée, je ne peux pas le finaliser. Il y a intérêt que ce sera en printemps, donc parce que ça va être pisse cette affaire. Bon, allez, on va passer maintenant au dernier event, et pas des moindres, vous l'avez commenté, nous l'avons commenté ensemble, il s'agit des LCS World Studio Riot Games Understand, oui, c'était LCS World justement, du 15 septembre 2013 jusqu'au 4 octobre quand même, ça avait duré pas mal longtemps, on l'avait commenté ensemble, dans la finale, tu vois, on s'était levé, là, genre la tête dans le fond, on s'était levé à 3h, 4h, et une violoniste tellement sexy, de folie. Des demi-finales sur un guitariste de sexy aussi. Je dirais que les demi-finales étaient mieux que la finale. Largement. Les demi-finales étaient toutes les deux à peu près équilibrées. La finale l'était un peu moins. En tout cas, la finale, les SKT étaient trop forts. Est-ce qu'on parle de la cérémonie d'ouverture avec le concert bizarre? C'était trop bien, mec. Il y a Wes Borland là. Parce que clairement, le guitariste. Moi j'ai regardé ça, j'étais là, il y a eu un souci là. Non mais c'est parti. Il y a eu un souci. Au début, on commençait avec les violons.
C'est trop bien. Après, on passe sur les DJ dans les cristaux et tout, les mecs ils sont là. Non, mais les DJ dans les cristaux, j'étais là. C'est vrai que c'était. Mec, c'était là sur leur piano. Et après, il y a le mec de Limp Bizkit qui arrive et tout. Habillé en je sais pas quoi, le genre était là, c'est Mordekaiser. Oh, mais que dalle. C'est juste un mec déguisé. Et après, il y a une meuf quasiment nue qui arrive et qui joue. Et je pose la contrebasse. N'importe quoi. Mec, elle était pas très habillée. Ah oui, c'était une contrebasse électrique et ils disaient tous, bah c'est le groupe Pentakill. Non, mais que dalle, c'était des mecs. Pentakill, les mecs s'inventaient une vie. Les skins Pentakill. Oui, les skins Pentakill. Les skins Pentakill, c'est tous des musiciens. Oui, bah. Et donc voilà. Et donc les gens disaient c'est le truc Pentakill, mais pas du tout. Non, non, ça n'avait pas du tout rien à voir. Un batteur qui n'en fait pas trop. Moi ouais, j'étais bien perdu quand j'ai vu non, ça. Non, mais regardez-moi ça. Enfin, bon, ouais. Et on parle de la cérémonie de clôture aussi. Ah, j'ai pas vu le dire, c'était bien trop tard. Il y en a pas eu en fait. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. La fin était brutale en fait. Ouais, voilà. Je sais même pas s'ils attendaient à être aussi court parce que c'était tellement violent. C'était 3-0 mais c'était pas 3-0 genre serré. C'est 3-0 genre ils te marchent dessus quoi. Ah ouais. Parce que les SKT ont roulé sur enfin en fait le truc c'est que LOL ça snowball beaucoup. Et là, il y avait tellement, enfin, il y avait de l'écart quand même un petit peu entre les joueurs. Ils leur ont marché dessus quoi. Et quand tu commences à perdre, bah t'es au fond quoi. Enfin, ils se sont fait dérouiller. Enfin, je sais pas si tu l'as trouvé, mais j'ai trouvé que. Ah, mais ils se sont fait dérouiller. 3-0, c'était expédié. Puis après la cérémonie, bah, on donne la coupe. Hein. Ils emmènent la coupe. Il y a des confettis qui tombent. Ouais. Et à l'année prochaine. Allez, à bientôt. Et voilà. Ciao. Et c'est la clôture. Le stream était coupé. Nous, on était là. Ah, j'étais surpris aussi. Bah, nous, on était un peu. Ils donnent des skins. Non, mais c'est vrai, c'est un peu bâclé. D'ailleurs, je suis désolé, je remonte un petit peu dessus. Je reviens sur International 3, qui a eu le même symptôme. C'est-à-dire qu'avant, tu avais Game Newell qui venait avec la coupe et qui l'a donnée en sortant un petit speech et tout. Là, le mec est arrivé, il avait le truc, il a pas eu le temps de dire un mot. L'équipe a pris la coupe et a fait merci, terminé. Ah ouais. Enfin, c'est même symptôme. Même symptôme, genre la fin, bon, je les mecs, ils venaient de gagner 1 500 000 dollars. Ils avaient envie d'aller de go. To the bank. Ouais, ouais, to the bank. Ah, on... Faisons ça, tu vois, à l'ancienne. Un peu patriote. Avec la classe, avec la musique avec la mallette, épique. Ils se sont fait tabasser de ouf. Bah, c'est vrai, tu vois, le mec, vraiment, qui serait con, il avait une mallette avec 1 million dedans. T'es, allez, les gars, on vous laisse rentrer en métro. Un billet, tranquille, un toi-même, tu sais New York. Non, le Bronx. Autographe, s'il vous plaît. On vous lâche, non, je pense pas que ça se passe. En parlant des tournois, puisque ça, je voulais pas mis parce que je l'ai mis sur le côté à la fin et tout. Il y a un petit, j'ai fait un petit top 5 des tournois 2013 oui, tout à fait, qui est très intéressant puisque dans ce top 5 des cash prize des tournois, ah oui, il y a que deux jeux en fait. Il y a que LOL et Dota. Bah, il y a LOL et Dota, ouais. Il y a LOL et Dota. Ça descend bien. Et le premier, c'est Dota. Et même Halo avec 1 million. Ah non, en dessous, juste après. En fait, la sixième position, c'est Painkiller. Cette année. Mais genre de quoi cette année? Non, cette année, c'est marqué. Qui a gagné? C'est ancré dans le mal. Fatality. Non, mais de quoi? C'est de ce qui est marqué. Après, si esportsearnings.com est complètement outdated. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs? Non. D'autres joueurs? Donc non. Que Fatality sur... bah, il a joué contre lui, il a gagné, mais il a gagné des thunes. Il a gagné. Non, mais t'es sûr que c'était cette année? Ouais, ouais, 2013, c'était marqué tout dans le classement. Ah! Wikipédia, ma gueule. J'étais là, Painkiller, putain, c'est quoi? En fait, il y a une scène Painkiller qui est en Amérique du Sud, juste à côté de l'Amazonie, et les mecs sont trois à jouer, par contre, ils ont masse blé. Quoi là? Vérifier en live. Comme le c'est poker, quoi. C'est voilà, c'est ça. Je vais vérifier cette information. Mais sinon, on connaît Fatality, c'était un grand joueur. Ah bah oui, c'était un joueur d'il y a quelques années déjà. Premier millionnaire en cash prize. Alors c'est étonnant que le mec ait jamais joué à Mortal Kombat. Il avait fait en gros tous les FPS. Puis l'autre, il est décomplexé, il va chercher sur son pouce. Je vais chercher. Plus ou moins joué d'ailleurs à l'époque. Fatality, justement, j'avais 450 000 dollars. Il a gagné. 450 000 dollars. 450 000 dollars. Painkiller qui a monté sa marque de carte graphique. On voit des choses de fou quand même. Par exemple, le top 10 des joueurs niveau argent. Attendez, écoutez Twitch. Le top 10 des joueurs niveau argent, niveau gain en 2013, les 5 premiers. Il n'y a pas SC2 ? Non, il n'y a pas SC2. Les 5 premiers, ce sont ceux qui ont gagné The International 3. Donc la team The Alliance. Qui est dans les 5 premiers, avec une moyenne à peu près de 314 000 dollars pour l'année. C'est pas mal. Et par joueur Oui, par joueur. Ouais, ça va, et de la 5e à la 10e position, bah, c'est LOL et c'est les SK Telecom qui ont gagné donc le LCS, World Championship 3. Ils ont racheté leur pays. Mais attention, parce que dans le top historique, donc, c'est-à-dire depuis le début, là, attention, on n'est pas du tout sur la même échelle, puisque le premier joueur, donc celui premier en gain, c'est Jaidong, donc joueur StarCraft 2, Brood War, etc. Enfin, StarCraft, Brood War et StarCraft 2. Il a fait 500 000 boules. Il a fait 500 000 dollars. Fatality, donc, second. Ensuite, on a Flash qui est également sur Brood War. Comment ça se fait que Fatality fait autant de blé sur Mais Fatality, en fait, il a fait Quake 2, Quake 3, Alien vs Predator 2, Return to Castle Wolfenstein, Call of Duty 2, Counter-Strike Source, UT 2003, Doom 3, Painkiller, Quake 4, Counter-Strike, Team Fortress 2, Call of Duty, Modern Warfare.
Il a tout gagné. Non, je veux dire, il a fait des tournois. Ah, genre, il a tout gagné. Mais, non, par contre, je sais que. Et par contre, le dernier truc qu'il a gagné sur Painkiller, c'était en 2005. Donc, je pense que ton info. Je sais que les CPL, il a fait toutes les CPL de chaque pays. Enfin, en fait, il y avait les CPL League et il a été dans chaque pays pour faire la CPL de chaque pays. Et donc, gratter 10 000 boules, 10 000 boules, 10 000 boules. Ça, c'est ouf. Après, le gros final, mais du coup, c'était lui, 100 000 boules. Il a convoqué. Quand il s'affrontait, il était le meilleur dans tous les pays. Le mec, il a fait à Singapour et tout. Enfin, c'était une blague. Mais c'est incroyable. Tu regardes ici. Je sais pas si ça y est. C'est parti, je crois que ça y est. Je pense que là, c'est le meilleur. Dans le studio parce que, justement, dans les gains, il y a un joueur de Warcraft 3 qui est dans le top 10. C'est Lège. C'est pas Lège. Lège LOL. Ça peut être Moon. Ah, c'est Moon. Je vous le cache pas. Mais il est toujours dans le top 10. Moon aussi appelé. Non, la cinquième race. Ah oui, aussi, oui. La cinquième race. Cette émission n'a plus aucun sens maintenant. On parle de tout et de rien. Enfin bref, en tout cas, on a fait un peu le tour. Ouais. Des actualités de l'e-sport. De quoi, Moon, la cinquième race, là. Je vais te la mettre, la race. Oh, t'as bien la comédie, là. J'ai une dernière question à te poser. Oui. Le premier joueur de League of Legends niveau gain, à votre avis, il est en quelle position? Bah, il est devant toi. Il est devant moi. C'est bah, clairement, je pense que c'est un streamer. Premier joueur de League of Legends. Oui, c'est un streamer, mais un compétiteur. 11e. Ancelotti. Plus. Non, mais 16e. Plus. 23e. Plus. 53e. Il compte dans ton truc, il compte que les cash prize. Il compte que les cash prize, pas les streams. Attention. Ah non, pas les streams. Sinon, c'est The Odd One, Dairus et compagnie et Oslot. 43e. 33e. J'étais pas mal avec mes 3. Ah, plus. Et pire que ça, il est juste derrière Stefano. Ça, c'est la petite Le non-respect. Tunnel total. Allez, mais Stefano n'est pas du tout celui qui a gagné le plus sur SC2. Hein. Ah non. Il est loin. Il est 32e. C'est qui? C'est Faker. Oui, Faker, parce qu'il gravit à son truc. Il a pesé mais un peu. Ouais, si on avait les ah non, si on avait le streaming et tout. Alors là, je pense que le leur est un peu devant. Déjà, on passe la barre des 6 chiffres. Ah bah oui, c'est sûr, évidemment. Et quand tu vois qu'on se cette année 800 000. On s'approche peut-être d'un peu plus. Non mais Oslot cette année tout seul 800 000. Imagine, et c'est pas du tout celui qui fait le plus de thunes en stream. C'est pas celui qui fait le plus de thunes. Imagine les TSM qui ont genre le double ou le triple de ces vieux. Non mais voilà, les TSM. Déjà, clairement les mecs se mettent plutôt bien, je pense, en fin de mois. Allez les amis, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. On a parlé beaucoup de JV, on a parlé beaucoup d'e-sport. Il n'y aura pas de gaming time cette fois-ci parce que l'émission a été bien assez longue. Voilà, c'était très très long. En plus, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dernière émission? On parlait un peu de tout, faire la rétrospective. Du côté rédaction gaming, etc. Je pense qu'on a quasiment parlé de tout ce qui était important. Exactement. On vous donne rendez-vous, bien sûr, pour d'autres émissions. On est connectés et d'autres émissions vachement cool sur Eclipse. Vous allez voir, on vous prépare des trucs de malade. Et ça va être de la folie. On se donne rendez-vous en 2014. Attention, le stream continue. Il y a des mecs. Ouais, bien sûr. Les gens se disent oh, ça y est, ils vont se dire à l'année prochaine. Mais pour des émissions. On est connecté en tout cas, ouais. Ce sera 2014. Exactement. Donc vous retrouverez très certainement la rediffusion de cette émission sur la chaîne YouTube Eclipsia Family. J'espère que vous allez réagir. Hein, sinon, je vous défonce la gueule sur les réseaux sociaux. Hashtag on est quoi, hashtag Eclipsia, hashtag TMTC ma gueule. Et puis, bien entendu, vous pouvez nous rejoindre tous autant que nous sommes ici présents sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Et même Instagram si vous le souhaitez. Moi je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que vous avez passé un bon moment tout de même. On a bien rigolé, c'était très long quand même. On a le petit bonnet pour la fin. On vous souhaite un joyeux Noël au nom de l'émission On est connecté puisque vous allez en fin d'année. C'est ça. À très bientôt tout le monde et merci à tous ici d'avoir participé une fois de plus. Ciao ciao, au revoir. Salut. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Vive le vent. Thank you.